Bonjour. Tranquille, 1h49 de retard. Non mais ça va, tranquille, tranquille, y a pas de. Je vois pas du tout de quoi tu parles, franchement. Je vois pas mais du tout de quoi tu parles, hein, vraiment. Pour moi, il est midi 12 là, ça va, tranquille. Bon, et bien bonjour à tous. J'ai du retard parce que je me suis couché à 5h du mat, voilà, j'ai pas d'excuses, hein. C'est comme ça, hein. Mais bon, on a joué sur le TTS, sur le PTS, pardon. Du coup, voilà, c'est vraiment juste pour ça. Et voilà, comment ça va? Quel feignasse? Oh non, pas spécialement, non. Si tu savais, si tu savais. J'aurais bien aimé être en retard parce que j'étais en soirée, tu vois, mais à la place, j'étais en train de jouer sur le PTS, quoi. Parce que ils ont enfin sorti les bateaux néerlandais. Non, c'est faux, c'est faux. Non, non, vraiment, je sais pas, j'ai fait des games en Elbing. Je savais pas quoi faire de ma vie. Mais c'est pas grave, tu vois, on est là aujourd'hui en votre compagnie et ça c'est voilà quoi. T'as joué sur le hein, t'as joué sur le text to speech, pas sûr de l'orthographe. Quoi? Non, pas du tout. Text to speech, le TTS. Oui, non, j'ai pas joué sur le TTS. Je joue sur le PTS mais ah oui, d'accord, ah c'est une blague. On va te faire foutre en fait, tu vois. Voilà. Pardon. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? J'ai pas vraiment entendu, excusez-moi. Ok, bon, moi j'ai toujours les classés à faire en ZF6, donc on va toujours faire les classés en ZF6. Petite boutade, ouais, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Bon, étant donné que ça fait 2 heures que je suis censé être en stream, on va commencer tout de suite, hein, parce que. Parce que voilà. Mais sinon, c'est pas grave, hein, ça arrive, quoi. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, y a personne qui stream sur Warship là en ce moment là. Qu'est-ce qui se passe là? On est samedi midi, y a personne d'autre que moi et personne d'autre que moi et DJ quoi qui stream. C'est incroyable ça. Bon, BNZ. Yes. Bon ben Miss Black Angel si tu passes sur le live, voilà. Voilà. Hein. Enfin bref. Bon, comment tu as Henri de Pierre du coup? J'aimerais bien pouvoir lancer la game, mais je crois que mes premières games c'est toujours comme ça quoi. Ça va, ben ça va, mais comment dire, en ZF6 je suis pas le meilleur des joueurs quoi. Il va vraiment falloir step up un peu parce que voilà quoi. DJ il a raid la hausse, qu'il a raid 2 minutes avant, j'étais mort. What the fuck? Quoi, comment ça? Avant là? J'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très drôle. C'est très drôle. Comme ça, il a raid la Wooze alors qu'elle l'a raid 2 minutes avant. C'était qui sur la Wooze? Enfin, tout ça, raconte-moi, tu vois. Je sais pas, moi je suis pas au courant des choses. J'arrive et tu me racontes des trucs un peu bizarres. Bon, on va le faire ce ZF6 là. Bon, le truc qui est bien, c'est que c'est vraiment un destructeur de DD. Mais normalement, t'es censé avoir une bonne dissimule avec les ZF6. Parce que là, je suis à 6-5. Non, je suis censé réussir à descendre jusqu'à 6, je pense. Ou 5-9, je sais plus combien c'est exactement. Malheureusement, je n'ai pas acheté la milieu encore, donc faudra attendre un peu. Pareil, la range, elle est un peu. T'as une bonne balistique, donc moi je m'attendais à ce que t'aies une bonne range, quoi. Bon, 12 km, ça va, enfin 11-9. Du coup, comme j'ai pas le module de range, pareil, c'est la même chose, quoi. 5-8 full! Ah ouais, tu descends à 5-8, quand même. C'est bien, hein, c'est quand même bien, hein. C'est beaucoup mieux que 6-5 en vrai, hein. Bizarrement. Je me mets derrière le Yugumo là, on verra ce que ça donne. Je pense qu'on va défoncer on va défoncer les gens. Il y a quoi? Jutland Z46 et Kitakat. Il y a pas de radar, donc on est ok si on se met dans un smoke. Le problème c'est qu'il y a un double, il y a un double hydro au niveau des battleships et ensuite t'as double hydro au niveau des DD tu vois hein. Et ensuite évidemment on a eu peur qu'il y ait une hydro mais je crois que ça existe même pas les croiseurs qui ont pas d'hydro tu vois donc anyway. J'avais pas besoin de le dire. Non c'est vrai que ça existe pas les croiseurs qui n'ont pas d'hydro, tous les croiseurs ont une hydro. Ah non, il y a évidemment ouais évidemment. Oh non j'ai un lag à ce moment-là, sérieusement? Ouais le Staline c'est ce que j'allais dire, il y a le Staline. Putain mais non mais j'ai mon ordi qui bug à ce moment-là quoi, genre j'en peux plus, je vais perdre la moitié de ma vie c'est sûr. En fait, je vais juste mourir, genre. Voilà. Je vais être en plein milieu de la map, juste devant le Z46, full broadside. Nickel. Je suis super content.
Oh là 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 là. Quoi, j'ai perdu 0 HP là? T'es en train de me... Mais quoi? Mais what? Mais même... Attends, mais même quand mon ordi lag, j'arrive à kite les mecs. What the fuck, hein? Il s'est passé quoi là? On peut m'expliquer vite fait? Incroyable. Incroyable. What the fuck. Ce monstre trop skillé, mes mecs. Je les blind, mon gars. Je les blind. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Attends, mais il a une hydro à 6 km en plus, le Z là. Oh, ça casse les couilles un peu, ça. Je suis en train de me rapprocher beaucoup, beaucoup. Non, c'est pas 6 km, j'ai de la chance, c'est tier 9, 5 km. Ok, c'est bon alors. Enfin, je suis spot hydro, d'accord. Très bien. Là, je suis à 5 km, t'es en train de me dire. Mec, ma courbe de giration, elle me permet pas d'être hors de sa portée de d'hydro, quoi. J'ai juste fait un demi-tour parce que j'étais fucking AFK, quoi, genre. Super. Je suis content. Je suis vraiment très content sur ça. Et là, tu vois, c'est le moment où j'ai besoin de ma range, tu vois. C'est ça le truc. Je spot maintenant, genre. Alors là, je vais vous montrer la puissance, vous allez... Mais pourquoi ça tire pas? Putain, je suis appuyé sur ma souris là depuis tout à l'heure. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Je voulais dire, je vais vous montrer la puissance du ZF6. Au final, j'ai fait 11 000 de dégâts sur ça. Waouh. Waouh. C'est beau, c'est quand même énorme, hein. On va pas commencer à se cacher les choses, tu vois. Quand même vachement énorme. Ah, la blague. Ça va être dur, hein, sur le Jutland. Hein. Ah, ça va, 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 ça va. On va réussir à se débrouiller, je pense. Ça va. On va avoir un problème, on lui a filé un smoke, quoi, tu vois. C'est un peu chou. Bah, il s'est fait, voilà, il s'est fait éclater. Nickel. Bon, ça devient compliqué, là, hein. Ça devient compliqué, salut Snoopy, quoi, tu vois. Aïe, 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 aïe. En fait, que tu double-cliques et après tu lâches et rappuies très vite, le jeu compte que c'est toujours ton deuxième clic, donc tu tires pas en séquentiel. Ah ouais, t'as l'air un peu con. Et surtout, t'as l'air un peu con. En fait, c'est ça qui m'énerve le plus, c'est le fait que j'avais l'air un petit peu con, tu vois. Mais maintenant que c'est bon, c'est bon. Bon, allez, on a bientôt un booster là, donc on va l'utiliser, je pense. Parce que le hyper va. Ouais, quoique les secondaires du Pommer là, voilà quoi. Je suis pas sûr. Alors, vite, on va devenir une mitrailleuse là, vite fait. Oh, c'est incroyable quand même. Voilà. C'est ça qu'on voulait, juste un petit coup de jus d'orange là, comme ça il crame tranquillement. Ah, le Hyper il peut me lober, ok, d'accord, très bien. Fallait préciser ça quand même. Dans le contrat c'était pas écrit, donc je trouve ça quand même dommage. J'ai arrêté de brûler, j'ai déjà pas d'HP. Ok. Franchement, ces secondaires elles sont encore bonnes au Pommer, non? Quand Manimo il dit salut Verk! Quand Manimo dit que les secondaires allemandes elles sont quand même toujours vraiment très très efficaces, il a complètement raison, hein. Genre là vous avez vu, j'étais à 11 km de lui. Puis il a quand même réussi à m'enlever la moitié des HP qui me restaient, c'est-à-dire que je suis passé de 4000 à 1400 à la secondaire. Plus le feu. Donc, ouais, c'est quand même encore un peu efficace, hein, le truc, hein. 28 000 de dégâts, hein, on est sur ça, hein, c'est. Je sais pas, moi je sais plus quoi faire avec ce bateau, sérieusement. T'es pas hyper serein, on dirait. Non mais Henri, non mais faut vraiment que t'arrêtes, par contre c'est plus possible, genre. Non vraiment, hein. Merci pour le follow au fait. YouTube FRT. C'est quoi ce pseudo, mec? Je sais pas, j'arrive pas à lire les pseudos où il y a genre 38 lettres et 25 chiffres dedans, tu vois. C'est. Voilà.
YTFRT278, merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir. Installe-toi, bienvenue sur la World of Warship FR, chaîne communautaire de World of Warship, des Français en fait. Tu comprends? C'est pour ça qu'il y a un FR après. En fait. Parce qu'on est Français en fait, tu vois. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre au début. C'est presque barbare, mais voilà quoi. Ouais, ma courbe de giration de haut, elle est vraiment pas incroyable en fait. Hein, genre, vous avez vu tout à l'heure, bon, alors j'étais AFK à cause du bug, mais j'ai dû faire un demi-tour. Je suis re-rentré dans ça, carrément rentré dans son hydro quoi. Donc j'aurais fait, en fait, je savais pas qu'il avait une courbe de giration aussi dégueulasse. Et je voulais faire, bah, j'aurais dû faire l'autre côté quoi, du coup finalement. Mais bon, effectivement, j'avais pas calculé qu'il avait une courbe aussi à chier quoi. Genre, c'est pas très grave. Hein. Je sais pas ce que je dois faire là, si je vais aller à droite chercher le Georgia, ou si je vais aller à. Ou si je veux aller à gauche pour chercher le Georgia de ce côté-là. Je pense que je vais passer ici directement, ce sera peut-être plus intelligent de faire ça, mais voilà quoi. Quel génie ce saumon. FR pour français, j'aurais pas trouvé mon non plus. Francophone, ça passe mieux. C'est vrai qu'il y a les Belges et les Suisses, il faut pas non plus les oublier. Mais bon, moi j'en ai absolument rien à foutre des Belges et des Suisses. Le mec qui cherche vraiment les problèmes, tu sais. 2 heures de retard. Et il insulte les gens. Nickel. Ah bah parfait. Alors là, on n'aura pas trouvé mieux. Hein. Bah lui c'est. Alors lui c'est parfait, tu vois. Alors le tout c'est de ne jamais être spot par lui. Quoi? Ah ok. C'est ok, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Alors lui ça va être marrant. Parce que lui, je sais pas s'il connaît le ZF6, tu vois. Mais là, du coup, je vais passer de 29 000 de dégâts à 45 000 vite fait. Si ça vous dérange pas. Oh là! Oh là là! Oh là là! Monsieur s'est arrêté dans mes torpilles. Monsieur est sympathique. Monsieur est arrangeant, quoi. Oh là 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 là. Merci. Oh là là, par contre, le. Ouais. Bon, alors son boost de moteur aura pas sauvé sa vie, hein. Ça, c'est clair. Mais bon, on termine pas non plus sur une super game. Hein. Je vais pas vous mentir, 50 000 de dégâts, en vrai, on tire 9 comme ça, même en classé, c'est pas... Ouais. Allez, 70 000, on va dire que ça va. On va dire que ça va, 70 000. Tu vois, tu parlais de génie en rigolo, voilà. Une game où le tout début de game, il se passe super mal, parce que je me fais... Tu vois, quand je parle de courbe de giration, genre, vraiment... Elle est dégueulasse sa courbe de giration. On va aller regarder dans le port après la stat, mais elle est vraiment dégueulasse quoi. Voilà, non mais je comme ça, pour les gens qui ont pas le ZF6 et qui pensaient l'acheter, c'est un bon bateau, mais il faut faire attention parce que sa courbe de giration est très mauvaise, donc une fois que t'es engagé en fait. Si tu vas quelque part et que tu te dis tiens je vais faire un demi-tour, il faut que tu saches que si t'es spot c'est terminé en fait. T'es spot broadside quoi. Après t'as vraiment les moyens de te défendre. Hein. Mais voilà, la courbe de giration c'est un défaut du bateau. Il va pas spécialement. En vrai pour kite c'est pas spécialement dérangeant, tu vois. C'est surtout pour faire des manœuvres en fait que c'est chiant, surtout entre les îles ou des choses comme ça, donc voilà. Donc si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec vos positionnements en DD, le ZF6 c'est pas vraiment le bateau qu'il vous faut quoi, tu vois, par exemple. C'est pas un bateau qui va vous faire jouer ultra bien d'un coup quoi. En termes de positionnement, les bateaux qui sont les plus, je dirais, faciles à jouer, c'est les bateaux les plus dissimulables. Donc les anglais, les DD anglais, tu vois, par exemple. Voilà. Mais bon, bref. On va aller chercher le FDG, mais je pense que la game va s'arrêter avant parce que là... On est en train de les tricap, donc voilà quoi. Je surkiffe les DD anglais. Ouais bah oui, ils sont vraiment. Enfin le Daring est incroyable. Le Daring il est vraiment, c'est n'importe quoi. Genre. Ouais, à partir du T7 les DD anglais c'est un peu, c'est marrant. En fait le ZF6 il est lent à tout, il est lent à tourner. Enfin il a une courbe de giration énorme et il est lent. Il va à 34 nœuds pour un DD, c'est pas voilà. En termes de positionnement, ouais, vraiment si tu prends un mauvais positionnement après tu sers à rien toute ta game. Parce que c'est trop lent. Et voilà. Je pense qu'il faut jouer range avec. Vraiment, il faut au moins avoir 14 km de range, je pense, avec le ZF6. Donc avoir au moins le premier module. Soit l'achetable, soit le truc de commandant. Mais moi, je conseillerais plus l'achetable.
pour le coup. Parce que mettre ça sur les torpes, pourquoi pas, tu vois, mais les torpes elles sont à 8 km, donc si tu les utilises, tu sais que déjà tu vas en mettre plus que 2. Et donc si tu sais que tu vas en mettre plus que 2, à quoi bon mettre le truc de torpe? Je veux dire, de toute façon, quand tu vas utiliser tes torpes, déjà elles rechargent super vite de base. Et ensuite quand tu vas utiliser tes torpes, tu vas mettre super cher à des mecs d'un coup, quoi. Oh, il s'est fait éclater. Bon, on a passé les 72 000. Merci beaucoup pour les follow, les gars. TA79, merci beaucoup. The A. Est-ce que tu ne serais pas le Azure, mais en version anglaise? Oh, je suis passé rang 4. Sympa, ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le plus 200 XP. Plus 200 XP, ça donne 10 000 en une game. Pas mal, ça. Pas mal. Bon, une première game satisfaisante, mais compliquée. Après, comme je vous l'ai dit, je suis stock, donc c'est un peu compliqué à gérer. Mais ça va, ça se passe. Et voilà. Est-ce que vous avez le ZF6, vous? Voilà, tranquillement. Plus 200 en Clan War, ça doit être nice. Tu peux pas le faire en Clan War, je crois. Il semble, hein. Alors, on est à 10 millions 301 000, ouais, c'est ça. Et il me manque 7 millions, je crois. Un peu moins de 7 millions pour avoir le démoine, donc on commence à être pas mal, hein. On va lancer, voilà. Bonjour Zéa, comment vas-tu? Comment ça se dit ton pseudo? Zéa? Zéa? The A? 79, je sais pas. TA? Je sais pas. Genre en phonétique, tu vois. Un Zéa. Oh, le bouton! Le bouton. Bonjour, bonjour le bouton, un Zéa. Comment tu vas, petit bouton? Mec, je suis sûr, Alex, en vrai, IRL, tu vois, t'es un mec avec des boutons, genre de ouf, tu vois, sur la gueule. Je suis sûr que c'est vrai. Pas fini ce mode de mort, non, non. En vrai, je joue mon ZF6, comme ça je gagne du crédit, tu vois, et puis ouais. Mec, en vrai, non. Mec, t'as full acné sur la gueule, mec, de quoi tu parles? En vrai, tu vois, tu mens, en fait. Dernière prononciation est la bonne. Ah, ok, c'est Théa, très bien. C'est un prénom, du coup, j'imagine. Les boutons, c'était un peu période collège ménagère. En fait, moi, j'ai jamais eu beaucoup de boutons, tu vois. Mais moi j'en avais des énormes, genre j'en avais, tu vois, disons un tous les 2-3 mois, tu vois. Mais un bouton, tu vois, un seul, tu vois ce que je veux dire, tous les 2-3 mois, tu vois. Mais gros, c'était pas genre un bouton en mode, tu vois, un bouton, tu vois. C'était un gros, c'était un missile nucléaire sur mon nez, mec. Et je sais pas pourquoi c'était tout le temps sur mon nez, mec. Mec, j'avais peur de sortir, c'était à ce point, gros. C'était incroyablement dégueulasse, genre. C'était n'importe quoi, mec. T'as jamais vu ça de ta vie, hein. Mais bon, maintenant j'en ai plus du tout, mais voilà. Ça s'appelait les Pyrénées, PDDR, j'en avais que sur le front, j'appelais ça les Pyrénées, mais mec. Vraiment, on parle vraiment de boutons là. Oh là là, vas-y, viens, on parle d'autre chose, les gars, j'en peux plus. J'ai une centaine de boutons sur mon clavier. Henri, mais nique. Je vais rien dire sur là. On est sur la VOSFR, je vais me tenir un petit peu, d'accord. Je vais me tenir, tu vois, mais j'ai envie d'être vulgaire là avec toi, tu vois, Henri. Là, j'ai envie de te secouer comme ça, tu vois. C'est ultra satisfaisant à éclater. Oh là 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 là, mais ferme-la! Non, sérieusement, c'est plus possible là. Sérieusement, c'est plus possible. Hein. Moi, c'est. On va pas parler de boutons, mec. Désolé. Merci NoFX pour le follow, ça fait plaisir. Je sais que je le dis en retard, mais en fait, je l'ai pas vu passer tout à l'heure. Ah, ok. Ok, je le dis pas en retard, je le dis en avance carrément. Bien sûr. Bien sûr. Ah non, c'est Zaza qui. Vous voulez pas avoir des pseudos genre le destructeur du loup, c'est facile à lire là, Zaza, ZC Zaza. Merci pour le follow les gars, ça fait plaisir. Coucou. J'espère que vous passez un agréable moment. Ah, c'était le radar du Chungmu. Il y a un most. Ah, il y a Gribouille. Oh là là. Oh là là. Salut Archpire, comment vas-tu Archpire, c'est très drôle ça. En alsacien, Arch, ça veut dire le cul. Non mais voilà, je pense que je me devais de te le dire. Ah, c'était pas le radar du Chungmu finalement. Bah, je l'ai éclaté sur place, hein. Je lui ai mis 9000, 23 coups au but. Mec, c'est vraiment n'importe quoi, comment c'est abusé. Enfin, c'est abusé au sens c'est trop bien, quoi, genre. Tu mets ton reload booster, t'as un adversaire en face de toi, tu le sèches, genre, c'est. Le mec vient de prendre 10 000.
Ça a duré combien de temps là, mes tirs là? Vraiment pas longtemps, hein. Genre il a pris 10 000. Juste pris 10 000 quoi, genre. Terrible ça. Alors là, on va voir à la paix comment je lui mets. Alors on va voir à la paix sur le Bismarck ce que je mets. Je peux pas parce qu'il tourne. Très sympa. Non, j'en prends forcément une là. Ouais, j'en prends forcément une. Elles étaient vraiment bien celles-là. Elles étaient vraiment bien mises. C'était sûr hein, quand t'es obligé de smoke comme ça là, c'est t'as une chance sur deux pour en prendre, c'est super chiant quoi. Je vais me remonter, je pustule. Quoi? Mais qui... Oh! What the fuck, c'est dégueulasse ce que tu viens de dire là. Oh mais Snoopy t'es chelou. Oh la vache quoi. Oh la vache, sérieusement. Ah mais merde, je vais me faire spot par l'hydro là. Dans pas très longtemps. Je propose qu'on bouge. On a déjà fait 20 000 de dégâts sur tout ça hein, quand même. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Mais le Bismarck là, je le sens chaud. Malheureusement, j'aurais pas mon reload torp, donc c'est pas grave. C'est pas grave, mais voilà, ça arrive quoi. Après, on peut toujours rester ici parce qu'il bouge pas là. Donc on peut toujours attendre. Bah, je sais pas ce qu'il fait en fait. Hein. Ouais, il avance en vrai. Ouais, il avance. J'ai pas envie de me choper l'hydro là. Il est à 6 km de moi là. Donc vas-y, casse-toi et puis voilà. Ah! Oh mon dieu, je vais me ramener, je pustule du nez, mais c'est horrible! Salut à tous, bonne prononciation! Merci Zaza. Salut, tu vas bien? Mon dieu, mais c'est quoi ce stream là? Qu'est-ce qui se passe là? J'aurais une petite question sur le coupon de 200%. Gagne-t-on vraiment le double? Bien sûr, le doublon. Ah, attends, 200%? Le coupon, hein, on parle bien du coupon, d'accord, très bien. Si on parle bien du coupon, dans ce cas-là, oui. Moi, mon cousin l'a utilisé, donc l'a utilisé pour acheter le Lénine. Et donc, il a reçu le double, il a reçu l'équivalent du Lénine en doublon, en fait, quand il l'a acheté. Voilà. Donc, tu reçois vraiment le double, littéralement. C'est, voilà, c'est no joke, c'est no fake. Donc, si t'as un coupon de 100%, c'est le moment d'utiliser, tu vois. Voilà. Voilà. Ma connasse de mouche là qui me fait chier sur mon écran, j'en fais quoi là? Hein? J'en fais quoi? Vous pensez quel sera le supplice maximal que je puisse lui offrir à cette mouche de merde? En fait, je sers à rien si je vais là, je vais aider mon lightning, je vais aller sur le Musashi qui est là-bas. En fait, ce que moi je dois faire, c'est aller chercher les bouffe là. Je suis mort. Oh mon dieu, personnellement. J'aime bien tout ce qui est un peu amer, du coup j'aime bien... Oh là 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 là, mais c'est pas possible, mais fermez-la un petit peu là, mais c'est fou de parler en permanence comme ça là. Oh il me dégoûte cette... Oh oui. Ok, je me suis fait défoncer, je sais pas tirer, 24 000 de dégâts. Pourquoi est-ce que ma team se fait éclater aussi là? Ah oh là 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 là. Je spot pas, mais quoi? Ok, il y a le Bismarck qui est là quoi. Voilà. Ça c'était la game de trop, tu vois. C'était la deuxième game. yes. Bah, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé parce que de l'autre côté on avait 8 le side. Ok, on en met qu'une seule. Bon, au moins on en met une quoi. What the fuck team. Par contre j'en ai marre les gens là, j'en peux plus. Arrêtez d'insulter en permanence. Vraiment, c'est vraiment... C'est vraiment... voilà quoi, genre... C'est super insupportable genre. Maintenant vous ragez, vous arrivez pas à gagner vos classés, en fait c'est pas mon problème maintenant, genre à un moment stop tu vois.
C'est ça en fait qui est drôle, c'est que le mec il a servi à rien pendant toute la game et puis il dit vous êtes tous inutiles, ma mec, regarde comment t'es en train de te faire choper par Gribouille 12, hein? Un mec de chez Moss là, regardez le pote de Axel Meyer comment il est en train de défoncer le Crunchy 57 là, hein? Regardez bien, hop là, voilà, les torpilles, ah bah tiens, oh là là, mais heureusement qu'il est nul, hein. Oh là là, mec, comment avec un Lightning tu loupes ça? Je sais pas comment c'est possible. Je sais même pas comment c'est possible. Comment tu peux... Enfin, genre, what the fuck. Bon, ok, d'accord. Quelqu'un pourra dire à Axel Meyer de parler à son pote, là, et lui expliquer comment on tire des torpes ou pas. Vite fait. Ah là là. Mais si on reçoit l'équivalent, on ne reçoit pas le double. Genre, le Leningrad coûte 5000 doublons, et donc... Non, tu reçois pas 10 000, tu reçois 5000. Je crois, hein. Ouais, c'est ça. Il me semble, hein. Ouais, tu reçois pas le double, c'est vrai ça. Bah je sais pas en fait. Je suis débutant sur ce jeu avec un ami, il y a des clans FR qui recrutent. Des nouveaux comme nous, bah ouais mon clan à moi. on recrute justement les nouveaux joueurs nous. Quasiment exclusivement les nouveaux joueurs. Histoire de leur apprendre justement ce que c'est qu'un clan, etc. Henri, tu lui envoies un MP ou pas? Comme ça tu fais la transi. Parce que là, je vais jouer moi. Ce play Didis d'Engenius. Oui, tu peux nous rejoindre aussi. Ouais, non, tu peux pas les rejoindre, tu peux me rejoindre. En fait, on est un clan qui vient de commencer, on a besoin de monde, donc écoute, moi ça me va. Ouais, ok, très bien. Vas-y, je lance. Merci pour les réponses. Bien sûr, mais y a pas de soucis, avec plaisir. Ok. Bon, Henri, tu lui envoies en MP, tu lui envoies le Discord et tout, et moi je vais essayer de... Ah mais il faut que je l'ouvre mon Discord aussi, moi. Attendez. Merde. Merci. Voilà. J'aime pas les musiques. En fait, sur la OZFR, je suis obligé de mettre... Enfin, je suis obligé. Sur la OZFR, c'est plus safe, parce que même, en fait, même sur ma chaîne, je devrais le faire, mais... C'est plus safe de... Attends, mais je viens de voir, vous avez vu le nombre de DD qu'il y a en face ou pas? Ah je suis mort. Il y a vraiment incroyable. Non, faut pas les rejoindre. Leur base est pas développée au max. Si ma base est développée au max. Enfin, elle est développée au max sauf pour l'acier, mais bon, quand tu commences le jeu, l'acier t'en as pas besoin. Tu vois, à moins que tu fasses des guerres de clans dès le début, ce qui est quasiment impossible, à part si t'achètes un, je sais pas moi. T'achètes un ebookie, t'achètes maximum d'XP libre. Bon, à part ça, pas ebookie, mais Azuma. Petite boutade, bien sûr. Non, mais c'est bon, t'es ban. Voilà. Ban def. Ban def. Voilà, c'est bon, non, mais t'es ban. Plus jamais tu pourras parler sur la OZFR. T'imagines le streamer tyran de ouf. Oh mon dieu. Ah mon dieu. Non, évidemment, je vais pas vous ban pour rien. Quand même, ce serait pas très sympa. Et après, en plus, il y a Neuneu qui viendrait me dire qu'est-ce que tu fais en fait. Qu'est-ce que tu fais quoi. Je vais me jeter par la fenêtre. Il est au rez-de-chaussée. Ah, il est au rez-de-chaussée. Je suis mort de rire, vraiment. Je suis mort de rire. Incroyable ça. Je vais me jeter par la fenêtre. Il est au rez-de-chaussée. Ah putain. C'est ce que j'ai en tête là. J'ai en tête le film Alibi.com ou quoi, tu vois. Et c'est vraiment une séquence qui pourrait être dans le film, tu vois. En mode un mec qui se jette par la fenêtre. Et tu vois, genre c'est filmé de sorte à ce que tu crois que le mec est genre à un étage ultra haut, tu vois. Il se casse la gueule par terre comme un gros con parce qu'il est au rez-de-chaussée, tu vois. Incroyable. J'ai vraiment une image de film comme ça dans la tête. C'est très drôle. Bon, alors comme j'ai une dissimulation énorme, je peux rien faire. Ouais, on est d'accord, c'est une grosse dinguerie ce que tu viens de dire. Incroyable, moi ça me fait rire. Voilà, ma grosse dissimulation. Le Star Goéland, il veut pas spot pour moi là. Oh là là. Bon, le snake là il est mort. Non, il prend pas les torpes, dommage. Putain, j'ai perdu la moitié de ma vie là-dessus, c'est terrible.
Ah mais c'était un Kita? Je croyais que c'était le black. Ah bah ça y est, je suis spot, ça y est. Ah non, c'est lui le Kita. Voilà là 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 là. Comment se faire défoncer? Il y a un mec qui arrive à me tirer dessus de là-bas. Hein. Putain, non, mais j'ai plus d'HP déjà. Oh là là. C'est difficile en fait vraiment d'avoir une dissimulation énorme comme ça. Les gens, ils te voient vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. Super compliqué à gérer en fait. Et là, quand t'as 25 DD comme ça en vrai, pour faire du contre-DD, c'est une galère. Hein. Mais une vraie galère. Hein. Heureusement, il s'est smoke. Hein. Mais je comprends pas parce qu'on a 5 DD de chaque côté de la map. Et puis, moi, mes DD, ils sont. Ils ont pas tiré une seule fois sur les mecs en face, quoi. J'ai fait 11 000 de dégâts, mais je sais même pas comment. Hein. Ah ouais, ça c'est full torp dans les mecs là. Puis, comme j'ai une dissimule dégueulasse, je vais me faire spot comme un gros con par le Fletcher là. C'est nickel ça. Il est. Ouais, lui il s'est fait torper. Non, ok, la game elle est terminée en fait. Mes DD ils sont inchill. Le Sturgotland il est mort ici. Lui il s'est fait suicider. Il s'est suicidé sur une torp. C'est. Y'a rien à faire en fait là. Y'a vraiment rien à faire en fait là. C'est chaud. Je sais pas combien de temps il dure ce smoke là. Je vais regarder mais. Plus histoire de regarder quoi. Oh là 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 là, c'est les torpilles du black heureusement. Oh mon dieu, elles sont spot tellement de près. Pouf. Moi je suis pas prêt pour ça, hein. Je suis vraiment pas prêt pour ce genre de truc. Alors je suis en train de laisser mon Jean-Bart se mettre broadside à tous les DD de la team en face. C'est pas grave, il prendra pas de torpilles, on va dire qu'il va pas prendre de torpilles. Regardez, priez avec moi s'il vous plaît. Il ne prendra pas de torpilles. Normalement c'est bon, maintenant il n'en prendra pas. Toujours savoir faire la part des choses, d'accord? J'ai prié le RN Jesus, tu vois. Parce que je suis croyant en RN Jesus, moi personnellement. Sensei Luc Serino. Waouh! Hey, plus difficile encore les pseudos, vas-y! C'est un challenge pour moi, je suis carrément content, tu vois. Encore plus dur. J'en veux toujours plus, moi. Il est ici le Jean-Marthe, très bien. Ah, très bien, on va les cerner alors dans ce cas-là. Ce serait tellement stylé que les torpilles explosent quand elles te rencontrent. Quand elles se rencontrent. Ah ouais, t'imagines? J'avoue. Enfin, ça serait stylé, ça serait super chiant, mais. Bon bah on a réussi à mettre un feu. Oh là là. Oh là 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 là. J'étais à deux doigts de mourir, hein. Vous êtes au courant de ça ou pas? Ok, très bien. Bon, maintenant que j'étais à deux doigts de mourir mais que je ne suis pas mort, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. Sensei Luxerino. Oh là là, c'est pas compliqué. Il y a un nom de team et mon pseudo. Appelle-moi Lux si tu préfères. Oh là là, il s'est énervé carrément. Salut Yayaxri. Seulement ces deux mots. Sensei Luxerino. Oh là là! Oh là là! Tout de suite! Vous savez quoi? J'arrête de jouer au pire, tu vois, et je passe ma vie à lire le chat. On fait ça, hein. Alors, Sensei, Luc Celerino. Mais non, je m'énerve pas! Moi, je m'énerve, ok? Moi, j'en ai marre! Je n'en peux plus, d'accord? Bon, on va arrêter les conneries. En fait, je joue en même temps, si vous avez. Au cas où vous aviez pas remarqué, hein. Je suis spot, en fait. Par quoi? Enfin, il a le problème. Voilà. Voilà.
Bon, bah c'était une bonne game ça, hein? Je t'en quoi? Je t'encule, Thérèse. Quoi? What the fuck? Parti en couille lui, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une truite sauvage, il a été pêché ce matin, il est pas d'humeur, non? Tout va bien. Non, c'était. Ça va, t'inquiète. Je vais bien. Je vais bien et vous? À part le fait que je me fasse défoncer en ZF6, ça va. Après, je le joue stock aussi. Je sais pas pourquoi je joue des bateaux stock, moi, hein? Tu vois, j'ai des mauvaises idées aussi dans ma vie. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je voulais dire moi? Je voulais dire un truc et j'ai rien dit du coup à la place. Je suis en débile. C'est le Père Noël? Le Père Noël, c'est une ordure. Ah oui! D'accord, mais ce film, je l'ai vu 25 fois, mais quand j'avais 8 ans, tu vois, donc je m'en rappelle plus. Non, ce film, mon gars. Ce film, incroyable. Incroyable. Il y a quand même des films américains, genre Chérie, j'ai loupé l'avion et tout, qui sont vraiment très drôles, quoi. Genre, c'est. Après, je sais pas, j'étais petit quand je les ai vus, peut-être que ça me fera pas rire maintenant, mais. Quand je les ai vus, j'étais petit. Mais j'étais mort de rire, quoi, genre, c'est n'importe quoi, c'est vraiment le bordel, genre, c'est. Enfin, bon, ouais. Nonsense quoi, finalement. Ah, je comprends. Mais en fait, moi je m'appelle pas Thérèse donc je l'avais pas pris pour moi, tu vois. Mais quand tu dis des trucs comme ça, moi je me suis dit peut-être y a quelqu'un qui s'appelle Thérèse dans le chat. Et j'ai eu peur, j'ai eu vraiment, vraiment peur que t'insultes quelqu'un dans le chat, tu vois. Mais moi, enfin que t'insultes pas, mais que tu lui proposes gentiment d'avoir des rapports un peu chelous, tu vois. Voilà. Et je pense qu'entre êtres humains, on devrait au moins serrer la main d'abord, tu vois. Au minimum. Je pense que tu devrais même peut-être essayer d'avoir une approche un peu plus sympa, un petit peu plus, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai lu un truc en parlant, mais c'est pas possible. Mais en fait, pourquoi est-ce que moi je crée ce genre de truc? Il y a un mess, les gars, il y a. Non, mais les gars, mais putain, mais c'est improbable, hein. C'est improbable, hein. Il y a vraiment un mec qui vient d'écrire. Non, mais alors, Archpire, hein. Archpire, ton pseudo de mort, là, hein. Il a écrit: T'as déjà vu un monsieur tout nu? Bon, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus, en fait. C'est plus possible, en fait. Je suis très dans l'intimité. Salut, Hyperlift. Non, mais c'est pas possible. Hyperlift, j'ai trouvé pire que toi, hein. J'ai trouvé pire que toi. C'était pas très difficile, mais fou. Là, on en a un bon petit. Hein, voilà, un bon petit paquet là. Hein. Je pense que oui pour le monsieur tout nu. Alors, non. Mais oui, en même temps, tu vois ce que je veux dire? Je vais m'expliquer. Dès qu'il y a ce mot, c'est le bordel. Oh là 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 là. Espèce de gros balde là. Hein. Pourquoi t'es si en retard toi? Pourquoi t'étais pas là avant là? Au 7 au fait. Au 7, hein. Hein? Je croyais que tu loupais pas le rendez-vous du saumon, moi. Je pensais que t'étais un viewer fidèle en fait, Crosswax. Pas du tout. Il s'en bat les couilles en fait, le mec. Voilà. Non mais voilà, non mais voilà. Pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Un nom, un saumon qui frétille comme ça. C'est tout de suite plus ex. Mais j'en peux plus, mes gros! C'est qu'avant je streamais chez mes grands-parents, tu vois. J'aurais même pas pu lire ça, tu vois. J'aurais même pas pu lire là, c'est trop dégueulasse. C'est horrible! J'ai déjà vu un petit garçon tout. Quoi? Oh la vache! Oh mais hyper lift! Oh là là, mais c'est pas possible! Avec 2 heures de retard, pas facile à suivre. Non mais attends, c'est vrai ça. Hein. Ça va, Cross? C'est un bon stream tout à l'heure? Hein? À ma place? Hein? Tu streamais à ma place à midi, hein? Hein? Pendant que je dormais comme un gros con. Hein. Véridique, je dormais. Faut juste pas le dire, tu vois. Faut juste pas leur dire. C'était drôle. Alors, j'ai full chiasse. Ah, ok. Je fais full chiasse, mais c'était drôle. En fait, si t'as des problèmes de dysenterie, t'es pas obligé de nous dire, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas spécialement envie de savoir, tu vois. C'est vrai que je suis fan de Crosswax, tu vois, mais j'ai pas vraiment envie de savoir quand il a la chiasse et quand. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Moi, c'est pas trop mon délire. Je suis pas un fanboy à ce point, tu vois. Je te le dis, hein. Je te le dis. Bon, et pour le monsieur tout nu, j'ai une anecdote qui date d'il y a une semaine, hein. Si vous voulez savoir. Donc j'étais dans le bus. Ouais, ça commence très très mal, hein. Mais ça finit très très mal aussi, vous inquiétez pas, hein. Moi je le trouve beau. Ah putain.
putain, j'en peux plus. Laissez-moi jouer, hein, d'accord, merci. On essaie de faire une game Unicum là, donc laissez-moi jouer, merci. Allez, bonne soirée. Personne qui spot pour... Non, d'accord. Parce que notre DD, il est de l'autre côté, en fait, les gars. Hein. À un moment, il va falloir prendre les hits, vite fait, juste pour spot, quoi. Plus, il a... Je spot, là. Bon. Qu'est-ce qu'il me spot, là? C'est pas possible des spots pour ça, là. Il y a un Cleveland. On m'avait pas dit qu'il y avait un Cleveland, là. Il m'avait pas donné l'info. Attendez. Je vais lui donner l'info vite fait. Regardez, moi je suis en Baltique. Je viens de lui mettre 6000 à la chute. Aïe. Voilà. Oh, what the fuck. Il y a un Seattle, là. Comment ça, il y a un Seattle ici, là? Dis-moi qui se met derrière l'île, là, ce gros con. Oh, je suis mort. Mais pourquoi il y a un Seattle qui joue les DD? Pourquoi il y a un putain de Seattle qui joue les DD, là, en fait? What the fuck? What the fuck? Attendez. C'est quoi cette eau là? Elle vient d'où là? Merde, 2 secondes. Ok, on est bon. Waouh, ok, d'accord. En fait, il est tellement beau que son PC mouille, mais je suis mort. Mais c'est pas possible, en fait, là. C'est pas possible. Le ciel est plutôt beau. Ah ouais, c'est kiffé, hein. C'est bien fait, hein, Sensei, le ciel. Hein. C'est bien fait, hein. Salut, Extrême. Oh là 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 là. Raconte-nous avec ton aventure avec le monsieur tout nu. Excuse-moi, je viens de me faire one shot. Donc, on va faire une vraie partie parce que ça m'a saoulé. On va arrêter de jouer des bateaux stock, là. Parce que c'était hier le stream ZF600. Putain, ça casse les couilles, quoi. What the fuck, en fait? Pourquoi y'a un... Déjà, on n'a pas de DD. Très chiant. Ensuite, il y a un Seattle qui joue les DD. Ok. Et après, il y a un Vladivostok qui me lobe, hein, au-dessus d'une île. Nickel. Parfait. La meilleure game de ma vie, quoi. Le Seattle, j'ai vraiment pas compris. Genre, vraiment, vraiment, il jouait le DD, quoi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bon, alors, ce qui s'est passé, là... C'est quoi ton clan? Je suis assez ancien, mais j'ai pas un niveau de ouf. Ben, je cherche des gens. Rive. Tu peux... Henri, tu peux envoyer un message si tu veux. Voilà, tu lui envoies un chuchotement. En fait, nous, on cherche des gens pour former des nouveaux joueurs. Mais quand je parle de nouveaux joueurs, c'est vraiment des gens qui commencent le jeu, genre, il y a une semaine, tu vois ce que je veux dire? Donc, même si t'es pas très fort au jeu, et que t'as un niveau de merde, tu pourras expliquer le système de broadside, le système de HE et d'AP, tu pourras... toujours aider, tu vois. Donc nous, il n'y a pas vraiment de recrutement sur les stats en général. Ça tombe bien, regarde comment il s'est fait one shot, tu vois. Par exemple là, tu vois, je voulais montrer qu'il n'y avait pas besoin de niveau, quoi, tu vois. Voilà, nickel. Maintenant je suis très content, très content. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai tapé sur mon bureau parce que ça me casse les couilles des Seattle comme ça là. Je sais pas d'où il sort lui, en fait, tu vois. Vraiment, what the fuck, qui fait ça? Pourquoi il est broadside? Pourquoi ma team est pas un peu plus avancée? Pourquoi est-ce que je suis derrière une île et je suis spot? Bon, toutes ces questions auxquelles je ne comprends pas. Broadside, c'est quoi? Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que... Et encore là, il est à fond, là, je suis à fond, là, je suis dans un bon jour, là. Et 7000 de dégâts sur un... Eh, voilà, avec mon Buffalo, quand même, beaucoup, hein, c'est beaucoup, attention. Je rigole pas. Ok, on est 2 DD et on est tous les deux en train d'aller au mid, ça sert vraiment à rien. Donc on va faire un truc très tout de suite là. Très vite fait. Tu vois, c'est qu'on va le laisser spot avec son gros balle de là, son gros balle de lightning là, et puis on va aller sur la gauche nous. Faut que j'éternue. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai tapé sur mon bureau. Et en fait, mon verre ne s'est pas renversé, mais l'eau de mon verre est sortie, tu vois. Et a mouillé tout mon tapis de souris jusqu'à ma souris. C'est pour ça que j'étais en mode... Voilà.
Tu devrais te poser la question. T'as fait une erreur. J'ai fait une erreur, moi. Ah ouais. Non, mais moi je fais pas d'erreur. Mais en fait, j'ai pas blame les alliés, tu vois. J'ai juste dit que c'était improbable qu'il y ait un Seattle qui me outspot comme ça. Et qui joue le DD, quoi, tu vois. C'est tout. C'est tout. C'est juste what the fuck, tu vois. Genre, déjà, il y avait toute leur team de ce côté. Moi, je me suis dit, il y a un Cleveland et un Buffalo, tu vois. Ok, d'accord. Et puis, il y a un Seattle en plus qui n'a jamais été spot et qui est en train de me hotspot. J'ai pas compris d'où il sortait, lui. J'ai pas compris pourquoi il était là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, ça n'avait au enfin, ça n'a aucune logique. Genre, c'était un peu bizarre. Moi, j'étais tranquillement derrière mon île et voilà quoi. Bon, au final, j'aurais fait zéro de dégâts sur le mec là. Mais... Et je suis en train de prendre un connard de mec. Super. Vraiment, hein, vraiment, hein. La grosse blague, hein. La grosse blague. Non, tu as dit que c'était de leur faute. Non, mais oui, c'est de leur faute. Non, pas du tout, mais je sais pas pourquoi ils avançaient pas. En fait, moi, en croiseur, j'ai pas de spot, donc j'attends. J'attends, 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 j'attends. Je me mets en position pour tirer, puis je suis spot par un mec. Je me dis, putain, mais il y a un DD, c'est pas possible. Je mets mon radar, je spot personne. Et un coup, il y a un mec qui tire, il y a un Seattle broadside en plein milieu de la map. Personne ne lui tire dessus, toi bien. Ok, tu vois, ok, si tu veux. Bon, je te laisse et je te souhaite une bonne galère pour cet après-midi, ma truite. Écoute, Snoopy, moi je te laisse pas, d'accord? Jamais je t'abandonnerai, tu vois. Il n'y a que toi pour faire ça, en fait. Mais bon, c'est pas grave, si tu m'abandonnes, tant pis. One shot, il s'est fait one shot. Est-ce qu'on aurait pas un petit Alaska qui voudrait nous montrer sa tête là? Oh non, mais me dis pas qu'il vient de me lâcher des torpes. Voilà, exactement. Oh, c'est bon, normalement c'est bon. Ouais, d'accord. C'est quoi ces torpilles là? Ah, il est là lui, d'accord. Ah, ouais, d'accord, ok. C'est intéressant comme style de jeu avec son Alaska, hein, je trouve. Hein. En fait, il y a le Benham là au milieu, donc si je suis spot là maintenant, je vais me faire tabasser par le Benham, ce qui est un peu chiant. Je spot là? Oh bah il est là lui. Attends, mais j'ai augmenté attends, mais j'ai augmenté la taille de ma what the fuck, attendez. Je voyais plus rien. Je voyais plus rien du tout, j'avais pas vu, pardon. Depuis tout à l'heure, il y a ça et personne ne me dit rien. Bise, bise, Snoopy. Bon, y a plein de gens qui ont parlé tout à l'heure. MP, tu te fais envoyer. Broadside, c'est le côté blanc du pain. Incroyable ça. C'est. Elle est où l'île? Elle est où l'île là? Elle est où l'île? Elle est où l'île là? Hein? Elle est où? Voilà, merci. On est d'accord. Lui, il s'est fait one shot aussi là. Nickel, très bien. Parfait. Full flood sur le. Ah ouais, du Kagero. J'ai un Vladivostok avec moi, ce qui est bien. Il me reste 4 smokes et il vient de radar. Donc on va attendre qu'il ait fini là, vite fait. Parce que je le sens chaud, moi, l'Alaska là. Je le sens vraiment chaud, l'Alaska là. L'île dans le nord de la France, bravo. Je vais voir un pote que j'ai pas eu depuis longtemps. Oh, c'est bien ça. Écoute, bon pote alors, bon pote. Lol. Je sais pas ce que je raconte, hein. Des fois, juste je me pose des questions sur moi-même. Vas-y, 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 vas-y. Très bien. On peut y aller maintenant? Ah, il recule l'Alaska, très bien. On va faire un truc maintenant tout de suite. Je vais lui montrer un truc. C'est une stratégie ultra ultra compliquée à maîtriser. Hein. Regarde, hop. En fait, ça va vraiment être une stratégie ultra compliquée à utiliser, parce que je vais vraiment pas me smoke jusqu'à ce que je vois le Bismarck. Ouais, le Bismarck est juste là-bas derrière, je crois. Ah, il est là. Très bien. Alors, le Benham qui essaye de me passer derrière, là, c'est marrant, quoi. C'est vraiment marrant. Je spot là? Ouais, on est d'accord. Hein.
Alors lui, avec son Benham, il se fout de la gueule des gens quand même un petit peu. Hein. Il faut se le dire. Hein. Il faut quand même se le dire. Minimum. Ah, il est là. Ah, ah, ah. Benham. Maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. J'ai pas besoin de smoke, moi, en fait. Hein. La Kizuki, ça a pas de smoke, en fait. Tout simplement. Et il reste full broad à moi, j'aurais presque dû être à la paix là. Voilà. Ça c'est fait, il a dû tirer ses torpes quand il était là, donc je vais prendre des torpes ici là comme ça. Hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Comment ça? Je veux l'histoire du monsieur tout nu. Ah oui! C'était il y a une semaine, j'étais dans le bus. D'accord, donc je monte. Alors, on va faire l'histoire depuis le début, donc j'arrive comme ça dans le bus tranquillement. Je vois un mec un peu bizarre, tu vois, qui parle avec le chauffeur, qui lui dit je sais pas quoi, et ensuite il dit ouais merci, ok. Ah, jusque là, pas de problème, pas trop de problème, tu vois. Jusque là, tout va bien, c'est juste un mec qui demande pour son billet ou je sais pas quoi, hein, et bah, il voulait pas payer son billet ou j'en sais rien, moi, et voilà. Et en fait, du coup, le mec, il s'assied tout devant. Voilà, moi je rentre tranquille dans le bus, je me mets au enfin pas au fond, mais je me mets au milieu, tu vois, tranquillement, et je me pose, tu vois. Et là le mec il vient s'asseoir pas à côté de moi, mais dans la dans les sièges opposés, ok. Donc là je me dis rien de bizarre, tu vois, il a juste changé de place parce qu'il aime pas être devant, je sais pas, tu vois. Et je me dis bon, voilà, il a l'air un peu chelou, mais je vais pas non plus commencer à faire des trucs, des théories du complot comme quoi le mec est chelou, tu vois. Ok, je suis pas comme ça, moi. Et donc, le mec se met à côté de moi, puis il change de place, again. Et là, moi, quand il change de place, je me dis, je les ai mal tirés, non? Ah non, ça va. Ah non, ça va. Pas du tout mal tiré, en vrai, ça va. J'ai tiré comme j'ai pu, quoi, en vrai. Voilà. Alors ça, c'est fait. Maintenant, on va rigoler un peu. Oh, bah, d'accord. D'accord, quoi. Donc, le mec, aucune envie de survivre, quoi. Genre, vraiment. Il s'est fait full one-shot. Mais il s'est fait tuer par quoi, le Musashi, je crois. C'est tellement fort, ce Musashi. Bon, alors, donc, je termine mon histoire. Donc le mec, il change de place en permanence, tu vois, moi je me dis, putain, il est chelou, tu vois, je sais pas pourquoi il change de place en permanence, mais je me dis, ouais, tout va bien, normal, tu vois. Et voilà, moi, il y a le train, il y a le bus, donc tu vois, je regarde dehors, moi je fais ma vie, tu vois, je m'en fous un peu du gars. Il peut être chelou autant qu'il veut, je m'en bats les couilles, tu vois. Et donc, moi je regarde dehors, tu vois, et d'un coup je me retourne et je vois une énorme bite, en fait, tu vois, voilà. Et en fait, cette espèce de gros porc là, il était en train de se branler littéralement deux rangées derrière moi, avec. Enfin, opposé à moi quoi. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Mais vraiment, hein, il était en full. Il était en train de se toucher comme Jaja, tu vois. Il passait. Franchement, il passait la meilleure journée de sa vie, lui, tu vois. On était là-dessus. Donc voilà. Elle était marrante cette histoire, hein. J'espère que vous avez kiffé. Ah, c'est dégueulasse, ouais, on est d'accord. Attends, ils se sont fait one shot tous les deux en même temps? What the fuck? Il y a eu un double one shot là? Incroyable. Mais pourquoi? Au calme, chez lui, tranquille. Bah, dans le bus, écoute, c'est son. Apparemment, ça a l'air d'être sa maison, tu vois, le bus, donc ouais. Ah ouais, mais pourquoi? Alors, tu me demandes à moi pourquoi? Alors, moi, j'aurais pas la réponse, tu vois, mais si tu veux, je vais lui demander. Du coup, en vrai, le truc qu'il faut savoir, c'est que. Là, ma copine et moi, on est en vacances, mais il y a une semaine, elle avait encore cours jusqu'à 21h, elle. Ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle prenait ce bus tous les soirs, en fait. À 21h-22h, tu vois. Et quand j'ai vu ça, mais j'ai eu ultra peur pour elle, tu vois. Mais vraiment, vraiment ultra peur pour elle. Et genre, personne n'a appelé les flics. Bah, du coup, je l'ai signalé au. En fait, moi, j'étais. En fait, il y avait deux solutions. Soit je le tabassais, tu vois. Parce que j'avais vraiment sérieusement envie de tabasser, sachant que ma copine prend ce bus tous les jours, tu vois. Soit, du coup, je signalais au chauffeur. Ce que j'ai fait, évidemment, c'est que je ne l'ai pas tabassé, et donc je l'ai signalé au chauffeur directement, tu vois. Mais c'était what the fuck, un peu. Hein. Je vais pas vous mentir, c'était un petit peu what the fuck. Hein. On l'a gagné avec le Buffalo, hein. Voilà, on l'a gagné avec le Buffalo. Et on perd toutes les games avec le ZF6, hein.
Donc je suis vraiment pas un bon ZF6 player, pardon. Après, tu pouvais la jouer le cool et lui proposer ton aide, tu vois. Après, j'aurais pu lui dire, hey, tu veux un peu d'aide ou quoi? La violence, c'est pas ouf, je t'avoue que j'étais énervé. Genre, enfin, je sais pas. T'as un mec qui se branle en regardant une meuf dans le bus, t'as envie de lui couper la bite, tu vois, un petit peu. Un petit peu, tu vois. Après, je m'en fous, tu vois, mais si ma copine prend ce bus tous les jours, en fait, à la même heure, et qu'il y a ce mec qui a l'air d'être assez. Qui a l'air de faire ça assez régulièrement dans les bus, parce qu'il a l'air d'avoir l'habitude, tu vois, le mec demande au chauffeur, enfin, il change de place à chaque fois, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est. Voilà, tu vois. Bon, si le mec il descendait à mon arrêt, je t'avoue que j'aurais pas hésité, genre, je l'aurais dit, je l'aurais confronté, et j'aurais absolument pas hésité, tu vois. Enfin bon, le mec il sort son truc et se tape une queue, donc bon, ouais, on est d'accord, tu vois. Même son copine qui prend le bus, bah ouais, mais en plus il est à côté de moi, tu vois ce que je veux dire, c'est ça le truc, tu vois. Donc bon, cette anecdote elle est, voilà quoi. Ah mais j'aurais câblé, mais j'aurais pété un câble en fait, ben oui. J'aurais pété un câble, genre si, enfin, je sais pas, j'étais. Je sais pas, j'aurais juste pété un câble, tu vois, genre, ça me dégoûte tellement, ce genre de comportement, genre, c'est vraiment, voilà, bref. Je pense que les gens du bus auraient eu le bon sens de venir m'aider si je m'y mêlais. En fait, tu vois, je pense que je me suis jamais vraiment battu dans ma vie, tu vois ce que je veux dire, parce que je suis quelqu'un de très gentil et de ultra calme, mais vraiment ultra calme, hein, genre, ultra calme, hein. Et, Hyperleaf qui demande, mais au final, il a payé son billet ou pas? Putain, j'espère qu'il l'a payé ce gros con là. Non, mais je suis de nature très calme, tu vois. Donc en général, il y a vraiment des gens qui sont venus me faire chier dans la rue et tout. J'ai rien dit, tu vois. Et puis faut savoir que je fais 2 mètres. Alors bon, des mecs de 50 kilos qui viennent me faire chier dans la rue, je m'en bats un peu les couilles, tu vois. Et ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des gars relous, que ce soit dans la rue ou autre, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais là, tu vois. Là, le fait, tu vois, que déjà, enfin, moi j'ai peur pour la sécurité des gens dans le bus, tu vois, parce que ce mec à tout moment il se lève et il va caresser des jambes, tu vois, enfin voilà. Et ensuite, tu vois, il y a vraiment ma copine qui prend ce bus tous les soirs en fait, tu vois. Donc là, c'était juste, voilà quoi. Ce mec est sûrement connu, le problème est là, bah ouais, le problème, on est d'accord, il est là. C'est que moi je l'ai signalé au chauffeur, le chauffeur il m'a regardé chelou, il a fait quoi? Il m'a dit, est-ce que vous pouvez répéter? J'ai pas compris. Je lui ai dit, je pensais jamais dire ça dans ma vie à un chauffeur de bus, mais je l'ai dit. J'ai dit, oui, excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui se masturbe derrière depuis tout à l'heure. Et il m'a regardé, il a fait. J'ai pas compris. Du coup, j'ai dû répéter, tu vois, mais c'était. C'était une dinguerie, quoi. Et c'est une ligne de TER, y a même pas de. Mais c'est dans toutes les régions, en fait. Je suis en Alsace, tu vois, mais c'est vraiment dans toutes les régions, genre. Ça, c'est des trucs qui arrivent. Tu demandes à une meuf. T'as une chance sur deux qu'il y ait une fille qui ait vécu ce genre de truc, tu vois. Vraiment, c'est dégueulasse. Je suis spot là. Je vais me refaire blap, en fait, une deuxième fois. Hein. On est d'accord que non. Ouh. Aïe. Ah, voilà, ça arrive. Voilà. Là, je me suis même pas fait tirer dessus en plus. C'était pour lui. Ça qui est bien. J'ai des spots pour le Z46. Bah, le Z46, tu vas bien te faire foutre maintenant. D'accord. Super. Mets-toi à la place du chauffeur. Mais ouais, mais t'imagines, putain. T'imagines, t'arrives, t'as quelqu'un qui te dit, ouais, y a quelqu'un qui se branle là. Quoi? Je fais quoi? Mais du coup, le chauffeur, il m'a dit, ok. Il a pas bougé, tu vois, pendant 3 secondes, il bougeait pas. Moi, je suis parti parce que, bah, tu vois, je voulais rentrer chez moi. Et il a fait un aller-retour. Genre, je me suis retourné, je l'ai vu faire un aller-retour, tu vois. Et c'est tout. Voilà, il s'est rien passé d'autre, il l'a pas dégagé du bus, rien du tout, tu vois. Moi, franchement, je me serais mis en plein milieu, tu vois, en plein milieu de nulle part, tu vois, entre deux villages, tu vois. Et je l'aurais sorti du bus et je lui aurais dit, maintenant, tu marches. Sauf que bon, si tu fais ça, il va faire du stop et il y a une chance sur deux qu'il viole une meuf. Donc, super, quoi, tu vois. Donc, le truc horrible, quoi. Ici, à Montréal, le chauffeur arrête le bus. Si un mec. Ouais, mais en fait, tu t'arrêtes le bus, t'appelles les flics et t'attends, en fait. Tu fermes et t'attends. Ou alors t'appelles les flics et t'attends qu'ils viennent à l'arrêt d'après, tu vois. Je sais pas s'il l'a fait, je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'il a fait le chauffeur, tu vois, mais.
Mais en tout cas, voilà. Bon, j'attends toujours le spot là. Hein, parce que j'ai pas perdu la moitié de ma vie pour me faire re-one shot comme tout à l'heure. Hein. Y'a pas de. Y'a pas de. Là, y'a pas de. Voilà quoi. Voilà. Yes, Lille. Fait plaisir ça. Missouri, y'a pas spot, hein, évidemment. Spot par le Kita la main. Ouais, il y a bientôt plus. Voilà, il est dans. Il est dans son smoke maintenant. Donc c'est ok. Sensei, les matraques elles continuent. What the fuck. Tu me confirmes que le 1er juillet c'est bien le moving day à Montréal? Qu'est-ce qu'il raconte lui? Qu'est-ce qu'il raconte le gros balde là? Alors le Buffalo là, pas vous mentir, il a l'air d'avoir bon goût lui aussi, mais je l'ai pas goûté encore, on va voir. Il est à la cheux, très bien, ça me va. Oh, il recule ce con, quel gros balde. Quel gros baldaquin. Moi, j'essaye, hein. Je tente, je tente, je tente. Ah ouais, il me loupe quoi. Ok, il me loupe carrément. Bon, j'ai réussi à heal tous ses feux là, donc tout son feu pardon, donc c'est bon. We're ok. Oui, ah ok. T'imagines le mec envoie la sauce sur la mamie d'à côté? Non mais c'est ça le pire, c'est qu'il y avait une fille qui était devant, elle l'a pas vue. Elle l'a pas vue heureusement, et je suis très content qu'elle l'ait pas vue. Parce que enfin c'est horrible quoi. Alors, t'imagines, t'es là, tu rentres chez toi, il s'est passé ça, tu rentres chez toi, et t'es en mode mais t'es dégoûté quoi, genre t'es dégoûté mais à vie tu vois, genre c'est pas... C'est... Oh non mais putain, mais ils prennent tout le temps des torpilles, je comprends pas en fait. Le Jutland t'as une hydro là, c'est... Faut arrêter de reload tes hydros au mauvais moment tu vois, à un moment... Bon, tu peux pas me dire ça non plus tout le temps, quoi. Ouais, mais il y a un reload à l'hydro. Ouais, mais non, en fait, si tu l'utilises correctement, ton hydro, tu la reload au bon moment, quoi, en fait. Hein. Faut arrêter maintenant, tu vois. Tu vois, par exemple, j'ai pas utilisé mon hydro pour l'instant, j'en avais pas besoin. Hein. Donc elle va pas être en reload quand j'en aurai besoin, tu vois ce que je veux dire. C'est pareil, là, avec ton Jutland de mort, là. Espèce de gros noob. Il est où le Missouri? Ah, il est en fond de map, d'accord. Ah, on peut mettre des feux, enfin, quand même. Enfin! Enfin! Ah, c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Hein. C'est vraiment... C'est vraiment, vraiment, vraiment chaud. Et c'est arrivé, et tu demandes à plein de filles, c'est arrivé à vraiment plein de filles ou de femmes. Hein. Ça leur est arrivé vraiment souvent. Surtout quand tu demandes à Paris, dans le métro, dans certaines lignes, il y a des trucs qui craignent à fond, quoi. Le RER aussi, des trucs comme ça, c'est... Tout ce qui est transport en commun, en fait, en général, c'est... Il y a des trucs qui craignent à fond. C'est bizarre, on n'entend jamais parler de filles qui fait ce genre de trucs. Moi, bon, il y en a, mais c'est vrai qu'on entend moins parler. Je pense qu'il y en a... Je sais pas s'il y en a moins ou si c'est juste que... Bah, en fait, enfin, je sais pas, elles ont... Je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de détraqués, ça c'est sûr, ouais, effectivement. En fait, tu sais pourquoi on n'entend jamais parler de filles qui font ce genre de trucs? Parce que les mecs qui font ce genre de trucs, même les mecs qui font des agressions sexuelles ou des trucs comme ça, ils ont rien quand ils vont devant la justice, tu vois. Quand je dis rien, c'est par rapport à ce que... En fait, quand tu fais un viol, en fait, tu détruis la vie de quelqu'un, ok? Jusque là, on est tous d'accord là-dessus. On va pas parler de ça pendant tout le stream, mais voilà. Et genre... Les mecs, ils prennent quoi? Ils prennent un an de prison, c'est tout? Mec, un an de prison, tu te fous de ma gueule, quoi, genre. C'est l'équivalent de tuer quelqu'un, tu prends un an de prison. Mais c'est vraiment... Et la plupart du temps, on croit pas les victimes. On est en mode, ouais, on n'a pas assez de preuves, gnan gnan. Votre mari, on sait pas ce qu'il a fait, gnan gnan. On n'est pas sûr, blablabla. Mais gros, tout ce qui se passe en soirée, là, avec de la drogue et tout... ils sont pas punis, tu vois. Ils sont pas... C'est juste super triste, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Castration pour un viol, t'inquiète, ça leur ferait réfléchir. J'aimerais tellement, mais. J'aimerais tellement, mais bon, malheureusement. C'est même pas ça, c'est juste que si les trucs étaient. Si les trucs étaient respectés. C'est même pas les problèmes de loi, tu vois. Normalement, quand tu fais des trucs comme ça, t'es censé avoir des lois qui s'appliquent, qui font mal, tu vois. Le mec, il est censé être en prison pendant longtemps après, tu vois. Mais ce qui se passe, c'est que, bah non, en fait, parce que. Parce que la plupart du temps, on est en mode oui, mais vous êtes sûr que gna gna. En fait, les victimes sont pas tout le temps écoutées, quoi. Après, c'est pas non plus de la faute des flics ou quoi que ce soit, mais le problème c'est que il y a pas mal de trucs qui sont, il y a pas mal de trucs qui sont un peu, je sais pas, c'est pas spécialement juste, tu vois, genre là le mec, tu vois, il se branle dans le bus, bon bah il va avoir une amende, tu vois, genre. Parce que je suis le seul témoin, parce que il y a juste le chauffeur de bus qui a été au courant. Si j'avais pris une vidéo, tu vois, à la limite. Si j'avais pris une vidéo, tu vois, à la limite, il aurait pris du sursis ou un truc comme ça. C'est tout, tu vois. Alors que s'il fait ça à côté d'une meuf dans le bus, ça sera la même chose. Il prendra aussi du sursis, sauf que la meuf, elle sera traumatisée pendant, je sais pas, 2 3 semaines, plus que ça encore, tu vois. Peut-être à vie, tu sais, je sais pas, c'est quelqu'un d'un peu fragile psychologiquement. Imagine, tu rentres chez toi, il y a quelqu'un qui se pose à côté de toi, qui commence à te caresser et tout. Tu portes plainte, le mec il est en mode ouais, non, j'ai rien fait. Il y a que toi qui l'a vu. C'est ta parole contre la sienne. Le mec prend, allez, il prend, à la limite, il prend 200 balles d'amende, c'est tout, donne. Oh, c'est marrant, quoi. C'est vraiment marrant, quoi. On en a gros, des gauchistes. C'est ridicule la justice en France. Que des rouges, les juges. Que des rouges! Que des rouges! Tu vois, là par exemple, c'est le moment où je mets mon hydro, tu vois. Le moment où j'ai bien fait de garder mon hydro. Lui, il a smoke, hein. Lui, c'est un génie, hein. Non, mais il est juste pas compris. C'est un génie incompris, en fait, les gars. Vous avez pas. Vous comprenez pas, en fait. Vous comprenez pas, en fait. Les gars, vous pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre, d'accord? C'est pas possible, ça marche pas. Éclataxe. Éclataxe. Bon, on va tuer le Buffalo aussi vite fait. Ah mais attends, mais il y a encore le Missouri là-bas. En vrai, la game, elle n'est pas si gagnée que ça. On a 2 caps et puis le Buffalo a plus de vie. Bon, très bien. Surtout ce qui est bien avec le Buffalo. Ce qui est bien là, le Z46, il vient de me filer sa smoke. Vous êtes prêts? Vous allez voir ce qui va se passer. Attention, hein. 3, 2, 1. Hop là. Ah mais il est derrière l'île, c'est ça? Espèce de gros balde. Gros baldas. Voilà, bon, on a le Missouri au moins, alors. On va tirer sur le Missouri, hein, la plaçant. Tant pis. C'est pas faux. C'est des gros gauchistes. Bah, écoute. Écoute. Si la justice en France, c'est des gros gauchistes, go parler à. Go demander à Doubi ce qu'il en pense. En vrai, je pense que c'est un peu vrai, hein. Go demander à Doubi ce qu'il en pense. Comme il est avocat maintenant, comme il a réussi soit. Comme il a eu ses. En plus, il. Il a majoré dans une de ses matières, donc quel monstre. Et comme maintenant il est avocat, il est officiellement, enfin officiellement il est diplômé, quoi, donc de droit, de master de droit. Donc, je pense que c'est la meilleure personne à qui on peut poser la question, quoi. C'est bien la barre. Au fait, y a Sam qui est passé, non? Ah, y a Sam qui est passé. Sam il est arrivé, il a entendu viol, il a dû se dire putain, what the fuck, hein, qu'est-ce qui se passe là? Ah, je suis plus petit hydro. Ah, t'as plus d'hydro. Ah, gros balde. Gros balde. Gros balda. Bon, alors mes alliés qui sont. Ils font quoi là, hein? Genre. Musashi a plus de vie et tout. Ouais, d'accord. Super. Vous savez que le Buffalo là, vous le tuez 28 fois ou pas? Ah là là. Je peux pas aller chercher les gires là parce que je vais prendre des torpes et je vais mourir. Et je vais me faire one shot par le Buffalo, donc j'ai une chance sur deux de mourir. Donc je vais reculer tranquille. Officiellement complice. Officiellement complice. La police. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ok. Ok. Oh, c'est win! Oh! J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je me suis dit, encore un bon sujet à discuter sur les eaux, tu vois. Ouais, mais en fait, ça parlait de mouiller. Avant
y a des gens qui disaient que mon PC mouillait en fait parce que je suis très beau. Parce que Crosswax est passé par là, tu vois, et Crosswax fait toujours dire n'importe quoi à tout le monde. Donc bon. Voilà. Et Dubicool qui est connecté là. Hein? Vous voulez jouer avec Dubicool Woz? Pardon. Ah là 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 là. Bon, on en refait une ou pas? Attendez, il faut que je regarde combien il est mon truc là. 237 000, bon, on est encore un peu à côté. 11 millions de crédits, 11 millions, 11 millions. Ça c'est bien ça. Je vais regarder les qualifs de F1 à toutes. Vas-y à toutes, Sensei. Sensei. Sinon pour le clan, est-ce que ça a été géré ça? Staff Woz. Oui, vous avez une demande pour entrer dans le clan. Non. J'ai pas le pseudo in-game. Pareil pour Sensei, très bien. Il faut faire en sorte que. Attendez, je vais juste m'occuper de ça. Voilà, ok, c'est bon, nickel. Alors, ceux qui voulaient rentrer dans le clan, je vais vous ping sur Discord juste vite fait. Comme ça, vous pouvez. Comme ça, vous pouvez voir où est-ce que c'est, où est-ce que ça se passe. Normalement, vous avez les rôles. J'espère que vous avez les rôles, mais voilà. FNC et le deuxième, c'est. Le deuxième c'est Tony Glandil. Attends, quoi? Comment ça Tony Glandil? Voilà. J'ai fait ma demande. Ouais, très bien, parfait. Comme ça c'est fait. Voilà, bon bref. Attends, mais Tony Glandil, ça me dit un truc ça? Bah en fait venez on refait vos blagues vaseuses. Ouais, venez on fait ça s'il vous plaît. Demande de bateau. Attention posez genoux parce que tu vas me dire je veux Tony Glandil c'est toi? Mais non! Tu mens. Attends mais Tony Glandil ça me dit un truc. Bah oui c'est les nuls Tony Glandil. C'est les nuls Tony Glandil. Attends comment ça? Attends mais y a un. Attends mais c'est les nuls. La pub! Ah, d'accord, bah c'est bon là. Non, parce que je crois. Le Daffy me disait un truc comme ça hier là. Sur Tony Glandil, je sais plus quoi, mais un truc. Mec du bus en pagne kangourou là. En pagne kangourou. Alors Poséidon, tu fais une demande de bateau, tu veux que je te rende tes points de chaîne ou pas? Après, ça dépend ce que tu me demandes comme bateau, tu vois. Si tu me demandes un bateau que j'ai pas, par exemple, ben voilà. Alors là, je suis un peu inutile avec mon buffle, mais c'est pas très grave. Non, mais le mec du bus à l'eau, le buffle à l'eau. T'as compris ou pas? C'est marrant. C'est très marrant. Bon, alors mon Dédé qui a peur de tout. Moi, j'ai peur des battleships en fait, donc. On va reculer tranquillement et voilà quoi. Tu as quoi? Screaming Redfish. Ah, salut Redfish, tu vas bien? Comment ça, j'ai quoi? Je sais pas si t'étais là avant, mais j'ai pas réussi à suivre tout, tu vois. Voilà, quoi. J'ai un pote au Black Friday, il refait son appart en faisant les trottoirs au Québec tellement que les mecs, ils jettent tout. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est abusé. Il a réussi à refaire tout son appart juste en prenant ce qu'il y avait dans la rue, quoi. Putain. What? Que je l'ai pas touché, si tu veux. Raton? C'est quoi ce clan? Incroyable ça. Ça parle de mec en pagne et de mec dans le bus là. J'avoue que les deux liés comme ça là, ça me fait un peu peur moi personnellement. Je commence à être presque effrayé quoi. Alors lui par exemple, lui c'est Tony Glandil lui tu vois. Oh mais je me fais tirer dessus par des mecs là en fond de map là, c'est super chiant. Et lui il a l'île, mais c'est. Lui il a trop de chance. Hein. Et là, vraiment, le Sturgotland, tu vas le défoncer, Yumo, je t'en supplie. Tu as pas comment. Mais c'est incroyable cette île, hein. C'est vraiment incroyable hein, cette île. Elle est en train de me niquer ma game. Je pourrais tuer un Neptune, mais non, je peux pas. Il y a vraiment juste une île, quoi. Genre. Je peux pas faire mieux en termes de tir que ça. Hein.
Sinon je tabasse l'île. Ah quoique, attends. Voilà. Voilà. Voilà, je me disais aussi, tu vois. Je le loupe en plus. Waouh. Je montre du grand niveau là aujourd'hui. Hein. Du grand niveau. Hein. Mec, cet Alsace me fatigue, il va me défoncer là. On va vraiment avoir un problème de. Je sais pas pourquoi je suis spot. Ah, il y a lui aussi là. Est-ce que Tony Glandil, tu connais le défi ou pas? C'est une tactique. Comment on fait s'il se méfie pas? Et hop! Et hop! Bam! Merci pour le follow. Je sais pas qui c'est. Attends, j'ai pas encore la notif. Ça y est, j'ai la notif. Merci Tomek pour le follow. Tu vois, ça c'est un pseudo qui est vraiment cool, quoi. Tomek, tout simple à dire, tu vois, c'est parfait. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue dans la Rose FR, mon jeune Padawan. Es-tu prêt à apprendre énormément de moi? Spoiler non, hein, spoiler non. Oh, il est fatigant lui. Ouais, d'accord. H24 spot, donc il est juste en face là, non? Okay, il est quelque part, mais où? Je sais pas. Il m'a tiré dessus lui? Je vois des tirs. Ouais, je vois des tirs. Très bien. Ok. Ça me va. S'il loupe, ça me va, tu vois. En fait, là, ça me sert à rien de push, mais je veux avancer pour choper le DD en fait, tout simplement. Je crois qu'il est derrière une île ou un truc comme ça. Moi, je vais tranquillement me mettre derrière cette île et puis on sera, voilà quoi. On sera goldé. L'idée c'est juste de défendre ça là maintenant. Mais ça va être un peu compliqué. Ah, il est là. Yugumo là. Le Yugumoche. Tu vas me dire qu'il va pas se faire défoncer là? Ouah, merci, ok, on est d'accord. Alors, je vais essayer de lui mettre un feu avant de partir. Quoique, est-ce que je devrais vraiment partir? En vrai, oui. Juste, il me reste que 35 secondes d'hydro et il y a un Jutland, quoi. Normalement, il y avait. Ah non, mes backguns ne passent pas. Je pensais que les backguns allaient passer, mais pas du tout. Et j'ai un rune là-bas. Ok, bon, alors ce qui est en train de se passer, c'est que le Jutland doit probablement être quelque part par là. Ou alors il est en open water quelque part d'autre, mais je pense qu'il va se mettre. Alors il y en a un qui cap. Moi je dirais que c'est le Georgia qui cap en vrai, mais bon voilà. Et le truc c'est que le rune, je sais pas s'il va réussir à choper le mec qui cap. Ah non, c'est le Jutland. Ok, bon on va avoir un problème en fait là. On va avoir un gros problème là. C'est que je ne sais absolument pas où est le Georgia et ça me fait peur parce que je pourrais être broadside à lui à tout moment. Et là maintenant il y a le Odin qui va mourir, non c'est bon, ok. Odin il est en train de faire un 1v1 contre 4 mecs. 1v1 contre 4 mecs, bien joué. Les bads gun. Eh? Eh? Je fais le même bruit que Malimo. Eh? Ça va partir en sous-demande tout ça. Hein. Bah il est là le Georgien.
Spot part. Loadin. Très bien. Au moins j'ai l'info sur le George. Spot par quoi là du coup? Par lui. Allez, je suis à deux doigts de sauver la cape en vrai. Vraiment à deux doigts. Allez. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et salut, on va. Ah ouais? Je l'ai plus. Merde, fais chier. Le George, il peut faire ce qu'il veut, il mourra pas, hein. Ouais, dommage. J'arriverai pas du tout à faire ce que je veux faire. Le Georgia, il va sortir à un moment, c'est sûr. J'aimerais juste savoir où il est. Ouais, d'accord. Mes alliés, ils sont en moitié morts là-bas. Je peux rien faire de ouf là, en vrai. Je peux rien faire de fou en fait. Là, je vais juste tourner autour d'un truc. Ouais. Merci pour le raid, DJ, ça fait plaisir. Coucou. J'espère que ton live s'est bien passé, DJ. Ouais, je vais taper le Kronstadt encore là, c'est sûr. Je vais me taper le Kronstadt, c'est sûr. Je vais être broadside le Kronstadt, je suis en débile. En vrai, ce que je suis en train de faire, c'est débile, c'est super risqué. Si ça passe, c'est ok, mais si ça passe pas, juste je suis broadside un Kronstadt, quoi. Ouais, d'accord. Le mec me met 26 000. Franchement, le Buffalo, c'est... Oh là 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 là. Heureusement que j'ai bientôt terminé avec. Bon, j'arriverai pas à faire de bonnes games aujourd'hui, je pense. Hein. C'est... Autant arrêter là, hein, genre... Quelle heure il est? Il est 15h13 déjà? Putain. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Bon, vas-y, on va refaire une game en ZF6, là. 43% de win, hein, sur le ZF6. Hein. Pas mal, hein. Pas mal, hein. Franchement, gros niveau. Du gros, gros niveau. Hein. Elle était bizarre, cette game. Hein. Elle était vraiment chelou, en fait. Hein. On avait un Odin et un Alsace en fond de map qui kitait. On avait le Yugumo qui était ultra agressif. C'est pas pourquoi. Ensuite, t'avais l'autre cap qui était... pas du tout, mais alors pas du tout défendu par nos alliés. Chelou. Hein. Vous savez, vous vous rappelez de mon tapis de souris qui est mouillé là. Ouais. C'est froid. C'est très froid. Bon, alors ce qu'on va faire là, plutôt, j'aime pas aller de ce côté de la map, moi. J'aime pas du tout. C'est vraiment de la merde, ça, là. Attends, mais du Gumo, il fait quoi? Mais gros, pourquoi tu vas là, toi? Oh là là. Ok, d'accord. Moi, ça me va, hein, mais bon. Là, il va tourner, il va me dire, ouais, finalement, je reviens sur A, quoi. Oh, c'est bon. Écoute, moi ça me va, hein, si tu veux aller là-bas, tant mieux, hein. Franchement j'aime pas du tout cet endroit, donc vas-y tout seul. Incroyable. Incroyable de faire ça. Hein. Aïe. Ouais. Là ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je me mette sur A... en reverse, mais bon. Il y a un CV, quoi, en fait, là, donc... J'ai une bonne A, mais je peux pas être agressif comme j'ai envie d'être. Je crois que le CV va aller sur mon Yugumo anyway. Je vais quand même pas être trop agressif, c'est quoi, on va passer sur le côté, et puis ce sera tout, tu vois. Pas faire n'importe quoi. Ça sert à rien d'essayer de passer en flèche. En fait, je suis pas un DD français. LOL. Si, je suis un DD français, allemand, mais... je vais pas à 40 nœuds, donc je peux pas...
pas faire les mêmes plays quand, que si j'étais en français, Bourdier. Oh merde, attendez, j'ai Discord qui pop là. Ok, c'est bon. Mais du coup, en fait, Tony Glandil, ça vient de quelle pub? Les nuls. La pub pour les nuls. Attends. Ah, j'avais pas vu Hyperleaf. Tu connais une certaine Madame Ilation Annie? Hein? Dis, tu connais Annihilation? Putain, mais j'en peux plus, j'en peux plus. Genre, non. Oh là là, j'en peux plus. Mec du bus en panne du kangourou, mais ça par contre j'ai pas compris non plus. Enfin, plein de choses que je comprends plus moi. Beaucoup de choses que je comprends pas. Qu'ils ont la cape, ça doit être le Kita, parce qu'il va plus vite que moi le Kita. Il va me le spot, les nuls, ceux qui faisaient des trucs marrants il y a longtemps sur Canal+. Mais tu l'as pas connu je pense. Non non, je pense que j'ai pas connu non. Alors lui mon gars, non, non non non, pas tout de suite, ah quoique. Ok, ça c'est fait. On lui a enlevé 8000. On lui a enlevé 9000. Pff, oh là là, c'est fort, hein, sans déconner. Attends, mais il est spot là, vraiment? Sérieusement, il était spot là-dessus? Terrible ça. Ouais, non, je confirme que je connais pas parce que je suis trop jeune, je pense. Hein. J'étais pas né, je pense, à l'époque où Canal+ commençait à faire des trucs marrants. Donc voilà quoi. Alain Chabat, ouais, ça je connais, mais bon. Enfin, je les connais, les acteurs je les connais, mais. Je connais pas le programme quoi. Avec Tony Glandil! Ah voilà. Oh, j'ai mis un feu au moment où il meurt quoi. Ah oui, il s'est mis broadside du monde aussi. Il est un peu nul. Le PZ Vore là, c'est censé être un bon clan ça. Parce que le mec qui kite en fond map là, il s'est fait éclater. Bon, on a vu mieux. Hein. Bon, on a vu mieux là-dessus aussi. Hein, avec ton Georgia là. Il a plus d'HP l'autre balle de là. Waouh. Quel gros joueur. Quel gros joueur. On t'était pas dans les couilles de ton. Oh c'est dommage. Oh c'est dommage, y a pas les sons putain. Y a pas les sons quoi. Désolé, faut que j'évite de parler comme ça, y a des gens. Attends, mais il faut que je te dise un truc. Tu sais sur ma chaîne à moi, pas sur la WZFR, mais j'ai un bot avec des sons, d'accord? Et il y a un son, c'est quelqu'un qui un jour en stream m'a dit t'étais même pas dans les couilles de ton père que je jouais déjà. Pour me dire qu'elle jouait aux jeux vidéo depuis super longtemps, tu vois. C'est incroyable la rêve que tu viens de faire. Tous les gens qui regardent mes streams enfin qui sont habitués à regarder mes streams, ils vont comprendre. C'est très drôle. C'est très très drôle. Là c'est fou la paix là donc, en vrai.
Alors pardon, je suis un peu concentré là, du coup j'ai essayé de faire du dégât. Bon ok, très bien. Je suis allé chercher le kitar moi parce qu'il m'énerve. Voilà. Il fait le malin là-bas en fond map, voilà quoi. Je sers un whisky? Juste un doigt. Vous voulez pas un whisky avant? Ah putain. Bon dia, salut Barba. Ok, très bien. Mais lol. C'est incroyable, tu viens de faire. En fait, tu. Écoute, Arspire, tu viens de faire une ref sans le savoir, quoi. C'est pas fou? J'adore la vie. Quoi? C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips? C'est dingue. Oh, c'est dingue. Peut-être pas, mais c'est marrant. C'est marrant. Par contre, je trouve qu'il fait un petit peu le malin, lui. Je vais lui expliquer la vie de deux trois fois là. Allez. Un avion. Deux avions. Trois avions. Non, toujours pas. C'est quoi ça? C'est pas censé avoir des avions fragiles là? Je lui ai rien fait quoi. J'ai un barrage et je lui ai rien fait quoi. Grosse blague. Alors je sais pas comment il est spot mon FDG là, mais il l'est. Et lui, il faut qu'il arrête de faire le malin là. Hein. C'est fini l'époque où PZVOR c'était un bon clan. Ouais, j'essaye de t'éclater en blind, ouais. Que t'arrêtes de tirer sur mon FDG parce que j'en ai marre en fait. Il fait trop le malin le Kitakazan, vraiment. Yo, salut Florian, comment tu vas? Sanchez, tu fais des blagues, elles sont incroyables quand même. Hein. Ça vient d'où ça, Sanchez? Ça vient du même truc? C'est un des nuls? C'est ce qui est le meilleur truc qui existe. Alors, attendez, on va en parler juste après. Non, je la prends. Je la prends, je la prends, voilà, nickel. Je suis obligé de la prendre. Je suis en train de me gratter, putain! Casse les couilles. Bah, du coup, maintenant, s'il me spot, je suis mort. Il y a 2 secondes, je le défonçais. Maintenant, s'il me spot, je suis mort. Super. En plus, c'est quoi ce spread de torp là? Genre, elles sortent d'où les deux torp là? Il n'y avait même pas la place pour les dodge, limite. Putain, ça casse les couilles. C'est un du film, La Cité de la Peur. Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours voulu le voir, j'ai jamais regardé. Ouais, je suis tout seul contre un Kita maintenant, c'est bien. Je suis très content. C'est nul, ouais. Lui, il est full spot par moi, donc bon. Voilà. C'est fait. C'est bien ça. Tu prends une torpe comme ça n'a aucun sens. Hein. Oh là là, ça me saoule le jeu en ce moment, sérieux, genre. En fait, je m'ennuie juste à jouer, quoi. Genre le. Fais chier. J'arrive même pas à faire de bonnes games, tu vois. Habituellement, j'arrive à faire au moins quelques bonnes games, mais là. Y a rien qui passe. Je peux jouer n'importe quoi, ça passera pas. J'ai l'impression d'avoir pris 20 ans de plus. Toc toc toc, les officiers de la manière française cognent à la porte. La flemme ouvre, j'ai lu. La femme ouvre. Madame, votre mari est mort car il se grattait le nez. Quoi? What the fuck? Incroyable, c'est culte si t'as pas vu, t'as loupé un truc dans ta vie. Calme-toi en fait, hein. Calme-toi. Le nombre de trucs qui sont cultes dans des pays différents, mon gars. Alors j'ai loupé ma vie plusieurs fois d'affilée là, hein, parce que y en a des choses, hein. Il y en a des choses, hein. Non, moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est les inconnus, tu vois. Ça, c'est vraiment drôle. Pff, oh là là là. Par contre, franchement, ça me dégoûte de prendre des torpes comme ça au pif, c'est. Voilà quoi. Genre, je suis en train de me gratter le coude, d'accord, tranquillement. Et puis là, il y a des torpes qui sont arrivées. Et j'étais en train de lire en plus, donc j'ai eu que l'alerte sonore. J'ai tourné ma tête d'un coup, j'ai mis ma main sur mon clavier. Je me suis dit, c'est bon, je vais réussir à les dodge. Impossible de dodge la dernière. Super. Re-Henri. Oui aussi. Oui aussi, quoi. Et la bite, c'est pas quelque chose d'ultra. D'ultra. Comment? Culte. Hein?
Le mec avec sa grosse queue là dans le train là par exemple, ça c'est culte ça aussi comme truc hein. Pour tous les gens qui jouent à World of Warships, ça c'est l'histoire culte de World of Warships tu vois. Si les inconnus c'est fort, ouais c'est bien hein. Moi j'aime bien. Ah mort Louis Crevé Bâton! Non mais les enfants, c'est pas. C'est pas Louis Crevé Bâton, c'est Louis XIV! Incroyable, c'est incroyable. Oh là 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 là. Bon bref, moi j'aurais jamais le niveau humoristique de Louis Crevé Bâton, mais y a pas de battleship, y a même pas de battleship que tu veux que je fasse là. Non mais non, genre juste pas quoi. Juste pas quoi. Ah là là, c'est pas grave. On joue à War Chèvre là, mais c'est pas grave. World of War Chèvre. Je sais pas, en ce moment, je me fais un peu chier. Ah ouais, Louis XVI et Crevé Bâton. C'est vrai que c'était pas 14, c'est 16. Et Crevé Bâton. Ah oui, mais c'est vrai, c'est la Révolution pro Louis XIV du coup. Enfin, je fais un trou de balle, moi. Bon, bref. Pas grave, je joue. Hein. Sacré retard. Hein. C'est toi qui es en retard, Chico. Grand malade là. Fait 1h38 que je live et tu me dis sacré retard. Ça va pas ou quoi? T'es un grand malade, mec. Tu fais le malinois chinois en fait, c'est tout. Fouah. Ce genre de van là. Bon bah voilà. Je me fais spot radar là. Alors il y a quoi qu'un radar? Explique-moi juste. Alaska. Trop bien. Que la force de Tony Glandil soit en moi. Alors là, incroyable la disp. Moins incroyable celle-là. Allez. C'est bien les radars. Mec, t'as vu où il est? Il est même pas dans le putain de range, gros. Ta grand-maman là. Voilà. Le gap qui se. Tu vois, lui, alors lui, il y a un gap qui s'est fabriqué tout seul, tout seul. Juste pour lui, quoi. J'ai perdu quasiment toute ma vie sur ça. Il y a un moment où vous arrêtez de me tirer dessus ou pas du tout? Ah, c'est cool ça. L'Alaska qui est en. Mais regardez où est-ce qu'il est ce putain d'Alaska en fait. Tu m'étonnes qu'il me spot radar depuis tout à l'heure. Comment est-ce qu'un Alaska peut être au milieu de la map? Je ne comprends pas en fait. Je vois pas le. Je vois pas. Je vois pas comment c'est possible en fait, tu vois. Passe pas au-dessus ça. Là, de toute façon, il est plus spot. Je tire dans une île. Franchement, j'arrive même pas à faire de game. Le mec commence son créneau midi 14h à 13h49 et il se plaint du retard des viewers. Pourquoi t'es obligé d'en parler, toi? Hein? Pourquoi on peut pas juste. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas juste oublier ça, en fait? Je veux dire, déjà le titre du stream. Il est déjà assez humiliant en fait. Henri, c'est un vrai. Ouais, bah ça t'arrange bien là ce qu'il dit, hein. Hein, ça t'arrange bien. Gros balde. Oh là là. Franchement, c'est terrible dans les games là en ce moment. J'arrive pas à jouer. Positionnements sont éclatés au sol. Tout est éclaté au sol. Dès que je fais un move, je me fais fumer le cul, mec. Je suis vraiment. Là pour le coup, en ce moment, je suis vraiment le saumon fumé, quoi. C'est triste, hein. Non mais c'est vrai ça. Le gars il respecte même pas ses horaires alors qu'il est payé pour ça. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non, pas du tout. Si j'étais payé, ce serait bien, tu vois. Mais là, bon. Vu mon niveau de jeu en ce moment, vaut mieux pas qu'on paye, hein. Lui il a vraiment. Genre, j'ai tiré mes torpilles, il a vraiment tourné complètement, quoi. J'ai une mouche qui me fait chier depuis tout à l'heure là, c'est très 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 énervant. Il m'a quand même touché hein. Évidemment, il n'y a aucune torpe qui rentre. Il n'y a aucune torpe qui rentre. Voilà. Ce qui est bien c'est que. What? Il m'a touché là?
Ouais, mais j'avais plus le. Ok, je l'avais plus. Ah, il y a le battleship là-bas au fond. Oh, il recule, d'accord. Très bien. Le master gland là. T'es payé par les subs en soi. Ah ouais. Pas sur la WZFR et si tu veux savoir tout ce que j'ai gagné depuis le début que je stream, c'est l'équivalent de 3 kebabs donc. Ouais, bah c'est bon, j'ai compris, gros. Trois kebabs. Franchement, je suis refait. Je pense que je suis refait, mec. Je vais encore prendre des torpes, hein, je le sens. Hein. Donc c'est quoi? Moi je vais m'éloigner des torpes le plus possible. On verra bien ce que ça donne. Il y a la moitié de mes torpilles. Attends, mais il y a toutes mes torpilles qui sont tombées dans l'île. Mais gros, j'ai tiré comme ça. Il y a toutes mes torpilles qui sont rentrées dans une île, quoi. D'accord. De toute façon, elles auraient rien touché, mais ok. Sans légumes, la base. Genre qu'il y avait complet ou sans tomates? Non, non. Avec tomates et tout, non, t'inquiète. Ça coûte pas plus cher d'avoir de mettre des tomates et tout dedans, hein. C'est juste une question de goût. Moi j'aime bien tout ce qui est légumes, tu vois. Quand je mange un kebab, je me dis bah je suis un putain de gros porc, mais au moins je mange des légumes, tu vois. Parce que sinon après t'as, enfin après c'est la décadence. Hein. Si tu commences à grailler des kebabs comme ça sans rien dedans, juste de la grosse viande, de la grosse sauce, mon gars, tu après mec, j'ai pas envie de finir avec 570 kilos de trop, tu vois. C'est pas ouf. C'est vraiment pas incroyable, quoi. Déjà que je fais plus de sport là en ce moment à cause de tout ce qui était Covid et tout. Et maintenant je suis ultra loin de tout, alors voilà. Le Master Goéland là, ouais, il va se faire éclater lui. J'ai pas besoin d'aider pour l'instant, tout va bien. Alors, Master Goéland, hop là. C'est ton moment, Master Goéland. Allez. Allez, Master Gland. Gros gland, gros gland. Gros gland, mort, 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 mort. Mar, 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 mar. Quoi? Mais je me fais tirer dessus par... Ah, il y a le Kita qui est là, d'accord, j'avais pas vu. J'avais pas compris, j'avais pas compris. Ah, donc lui il me touche, moi je le touche pas, très bien. D'accord. Je crois qu'on va arrêter aujourd'hui, hein, parce que j'arrive vraiment pas à jouer. Hein. C'est éreintant, quoi, genre. Salut Camoulox, comment tu vas? Tu sais, quand les sous-marins arrivent sur le jeu, ils vont être en test en août sur le serveur live en bataille classée, si tout se passe bien. Et ensuite, ils arriveront dans le jeu entre septembre et janvier. Dans un moment comme ça, ils arriveront en early access, je pense, dans le jeu, un truc comme ça. Éclataxe. Non mais ouais, voilà quoi. Ouais, la 10.7 pour les tests en classé. Donc dans deux mises à jour, donc dans 2 mois, à peu près. Enfin dans 1 mois et demi, quoi. Voilà. Ouais, vraiment là il y a aucune game qui a réussi à passer. Hein. Genre faut abandonner un moment parce que là c'est pas possible. Hein. Je sais pas, je sais pas quoi faire en fait. Je sais plus jouer au jeu. qu'est-ce que je voulais faire? Merde, j'ai écrit. Ah, je vais essayer de me concentrer pour faire des games un peu plus... voilà quoi, mais voilà quoi. En tout cas, merci pour ce très beau live. Non, je déconne. Yes, nickel, merci. Ça fait plaisir, tu vois, ça donne envie de continuer, tu vois.
Tu vois, là, toute cette semaine, je me posais la question, est-ce que je vais continuer un live ou pas? Maintenant, j'ai la réponse. La réponse, c'est double point non. Non. N-O-N. N-A-N. N-U-N. Voilà, même. Non. Tu vois ce que je veux dire? Négatif, quoi. Ça pourrait être plus affreux comme live. Il pourrait ouvrir sa cam. Tu vois, tu vois là. Hein? Écoute ce que dit Hyperlift. Il a toujours les bons. Il a toujours de bons conseils, Hyperlift. Il est toujours en train de dire les choses, mais les vraies, tu vois. Il pèse pas le pantalon, Hyperlift. Hyperlift, c'est vraiment. Il dit les choses, quoi. Une légende dit qu'il faut vendre son âme pour les ranked. Non, mais en fait, je suis juste pas concentré du coup. Joue à WoT, ouais. Alors toi, tu vas te calmer, hein. Si, continue, tu es super, mec. Alors, on va parler de l'orthographe vite fait. Alors, si continue, c'est bien. Tu, ok, il manque un et, voilà, super mec. Et c'est pas ce que tu veux dire? Dans ce cas-là, j'ai pas compris ta phrase. Et c'est vrai que c'est pas une question d'orthographe, là, c'est de la grammaire. Il manque un mot en fait dans ta phrase. Et là, il vient de dire ouais, mais en fait, je suis pas français. Je viens de je sais pas quoi et j'apprends le français en regardant tes lives et je vais faire ah oui merde je suis désolé et je vais me sentir trop mal comme un gros débile tu vois et je vais être en mode voilà il y a un mec qui me fait un compliment et moi je le trash tu vois et tu sais pourquoi je fais ça parce que je suis quelqu'un avec beaucoup de second degré et si vous avez pas de second degré et que vous vous sentez mal quand vous êtes sur mon stream et ben sachez que c'est de la blague d'accord et que moi je suis un mec qui blague et que j'aime beaucoup la blague comme Doobicool. Doobicool, il aime beaucoup la blague. Surtout la dernière fois, je suis allé chez Loubicule, putain. Je lui ai mis un coup de poing comme ça dans la tête. Je l'ai assommé. Et ensuite, je l'ai attaché à une chaise dans une cave. Et je l'ai laissé comme ça pendant 2 jours sans manger et sans boire, tu vois. Et après, je suis revenu. Et puis, j'ai dit prank et tout. Il y a des caméras ici et tout. Il était mort de rire. Qu'est-ce qu'il adore les blagues, Loubicule, c'est fou. Oh là là, on s'amuse, hein. Et du coup, depuis, il me raid. Depuis, il me fait plein de raids souvent et tout. C'est super drôle, quoi. C'est super drôle. Franchement, on est vraiment super copains, quoi, lui et moi. C'est voilà, quoi. Ah là 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 là. T'as pas juste un second degré, je dirais. T'as un broadside à 180 degrés. Là, je dirais que j'ai un broadside plutôt pas mal. Ouais. Effectivo. Effectivo. Ouais, là, j'ai tiré dans l'île. Hein. Regardez. Hop, l'île. Ah, ok, moi, j'y pensais. Moi, j'y croyais vraiment, en vrai. Saint-Louis qui tank, on en aura vu des trucs, mais là, ça, j'en ai pas vu depuis au moins 1975. C'était la dernière fois. Ma grand-mère m'avait dit, oh, tu sais, moi j'ai 163 ans. S'arrête là, hein, parce que ça sert à rien de continuer à parler. J'ai mis 2 obus, c'est pas vraiment beaucoup ça. Hein. Pas vraiment beaucoup. Hein. Donc 1h49 dans le début de ton stream. Pas le dire ça. Je préfère un gaz comme toi. Oh là là, un gaz. Je préfère un gaz comme toi. Alors on va continuer avec l'orthographe. Du coup, on n'avait pas fini. Un gaz comme toi. Donc moi, je suis un gaz. Effectivement, je suis du méthylbul ibuprofène. Tu vois. C'est un gaz en fait qui asphyxie, mais qui ne tue pas. Voilà. 163, ça vient à ce monde, dis donc. 163 ans. Non, c'est ma grand-mère. Hein. Moi, j'ai pas autant. Moi, j'ai 13 ans et demi là. Si tu veux savoir. Donc voilà. Et donc en 1975, elle me dit ça. Je rappelle que j'ai 13 ans et demi. Hein. Est-ce qu'on peut se concentrer sur l'orthographe, s'il vous plaît, juste? Alors, je préfère un gars comme toi qui rigole grave avec son chat au lieu d'un mec qui focus sur son jeu. Ouais, mais bon, si j'étais focus sur mon jeu, t'aimerais bien parce que t'apprendrais des trucs en fait. Parce que de base, je suis censé être un bon joueur, puis j'ai oublié de jouer là parce que ça fait une semaine que j'ai pas touché au jeu. Donc là, la reprise, elle fait mal au cul un peu, là, tu vois. Elle fait mal au cul, donc je rage légèrement. Mais ça, faut pas le dire, tu vois. En fait, il n'y a pas de spot parce qu'on n'a pas de DD, donc forcément, je vais me retrouver comme un gros con. Le Kansas, il est en train de... C'est un Musashi, moi je vois Kansas, c'est bien sûr. Puis, la semaine dernière, j'ai vu Tony Glandil aussi, en personne. Il était très sympa. Est-ce qu'on peut faire des dégâts, là, s'il vous plaît? Il y a encore il y a deux battleships, non. J'allais être ultra médisant et dire, ouais, il y a encore qu'un seul battleship, mais non. Il y en a deux. Donc j'ai failli être méchant avec le jeu quoi. Non mais. Bon mais jamais spot aussi le truc gros. Bon, cette cape on l'a hein. On l'a hein. Genre. Maintenant il va falloir aller faire un V1 quelque part à un moment quoi. 6 mois de pause j'ai eu lol. Bien galère la reprise. Non mais 6 mois de pause c'est beaucoup tu vois.
Là, au bout d'une semaine, je fais n'importe quoi, je réfléchis pas. Je joue mal en fait, je joue mal, je joue justement. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. J'ai un PR de 1200 quoi. Là, on est vraiment sur ça quoi. Voilà, lui j'aurais bien aimé le choper à la paix. Voilà, lui il va me défoncer. Vous êtes prêts? Regardez comment il va me défoncer. Tu vois, habituellement il m'aurait mis 0, il m'aurait mis 0, tu vois, parce que j'aurais bien joué. Et là il va me one shot. Bon, il m'a mis 0, mais ça faut pas le dire. Et maintenant t'as l'autre balle qui va me focus là. Hein. Et t'as le Saint-Louis qui sort aussi. Mais c'est des grands ouf là en face là. Hein. J'essaye de pas me faire défoncer par le Moussa Chiotte là. Par contre, ce qui me met le Saint-Louis, bon là, c'est. Je sais pas si c'est le Saint-Louis ou l'Edimbourg là, mais. Il est en train de me rafaler ma daronne. Un peu comme le rename d'un certain joueur de chez Rain, dont je ne citerai pas le nom, bien évidemment. En fait, faut juste que. Il y a des bateaux que je ne sais pas jouer dans ce jeu, et faut que j'apprenne à les jouer. Parce que j'aimerais bien être polyvalent et savoir jouer un peu tous les bateaux, tu vois. Ça, c'est un truc qui me manque en tant que joueur. En tant que streamer aussi, mais. C'est de savoir jouer plusieurs types de bateaux, en fait. Je suis bon avec certains DD, mais c'est tout, quoi. En fait, il est là le problème. J'aimerais bien être bon avec. Bah, déjà, avec tous les DD, ça serait pas mal. Et là, je suis broadside dans un GRGA, quoi. On fait quoi maintenant qu'on est broadside au GRGA? Il va me tabasser, il m'a pas vu, il m'a pas vu. Je suis broadside à lui, il m'a pas vu. Gros. Ah, on est d'accord, hein. On est d'accord. Ouh là là. Oh là là. Il va me tabasser ma maman. Je suis super triste. Hein. Mogator est plutôt drôle, drôle, je trouve. Ouais, c'est bien, mais moi je sais pas le jouer par exemple, le Moga. Faudra qu'on fasse un test un jour. Je vous montrerai à quel point je le joue mal, mais. Vous verrez, hein. Je fais vraiment pas des bons moves et. Je suis un peu inutile dans la game, etc. etc. quoi. Après, souvent, je joue des bateaux qui sont stock. C'est pour ça que je suis mauvais avec, mais. Enfin, ça excuse rien en fait, ça excuse rien. C'est pas parce que t'as un bateau stock que t'es obligé de faire de la merde, genre. Tu vois, là, avec mon Östergötland, bah, il est pas stock et j'ai fait de la merde aussi, donc bon. Tu peux être polyvalent, commence par aller à un quart de ta vitesse, dis bonjour, poli et lent. What the fuck? Ah oui, d'accord, ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, ouais. C'est vraiment ça les blagues qu'on fait là sur mon stream? C'est ça que je vous ai inspiré? Je suis censé être un influenceur, je vous inspire normalement, d'accord? Je vous inspire pour faire des trucs, pour sortir des trucs bien, tu vois. Alors il y a des trucs bien qui sortent, mais là, c'est quoi ça? Az. Salut Bruce, comment tu vois? Bruce Az. Ou tu t'appelles Az, je sais pas. Et salut Onzik. Pourquoi il a une émote raid? Je comprends pas en fait cette émote. Tomb Raider, d'accord. J'économise des lettres. Il a dit j'économise des lettres. Ah, je suis mort. Ah, par contre, c'est très drôle. J'économise des super blancs. Hein? La banque, c'est choquel. Je vois pas de quoi on parle là. Et la blanque, je sais pas ce que c'est. Hein. Ça doit être encore un truc québécois là. Sûr que c'est un québécois qui parle là. Pas québécois, toi, par hasard? Blague. Ouais. Bon, on parlait d'orthographe tout à l'heure, ça vaut vraiment pour tout le monde. Hein. Mais tout le monde, tout le monde, tout le monde. Hein. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas d'exception, les gars. Ouais, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rush en plein milieu là. Et on va faire semblant qu'on. Ok. J'ai utilisé zéro radar, zéro hydro de toute la game. Un seul heal. C'était presque ennuyant, quoi. Je me suis presque fait chier, quoi, putain. Ça y est, je crois que j'ai le démoine. Attendez, on va le débloquer en live parce que c'est marrant. Donc, wait and see. 235 000. Oh, hey boy. Et vous savez quoi? On va faire les deux. On va faire la double en fait. On va faire le démoine et le Venezia aussi en même temps. Il est où le Venezia? Alors, il me manque combien? Il me manque 34 000. Putain, oh là là, il manque 34 000 pour le Venezia. C'est pas beaucoup 34 000, hein, ça se fait. Hein. Ça se fait. Bon, il me reste une game à faire en buffle, donc voilà. On va arrêter de faire n'importe quoi, on va jouer Kitakaze un peu.
Quoique, vous savez quoi, j'ai envie de jouer autre chose. J'ai envie de jouer mon Lightning. Voilà. Je vais jouer mon Lightning, tranquillement. On peut rien leur dire aux Québécois, ils parlent le vrai français. Ah bon? Moi, pour moi, c'est plus le vieux vrai français, quoi. Le vieux vrai français. Oh, ouais. Moi, c'est plus les Belges qui parlent le vrai français. Tu vois, les Belges, ils sont. Ils parlent en mode. Avec les 90, les 70 et tout ça, c'est du vrai français logique, tu vois. Pour moi. Belges et les Suisses, c'est. Voilà. Parce que tu vois, les Belges et les Suisses, ils sont. Comment? Ils ont vraiment une vraie éducation, eux, tu vois. Parce que déjà, les Suisses, ils ont de l'argent, et les Belges, ils sont littéralement, c'est le pays le plus frontalier qui existe au monde, quoi, genre. Il y a la mer pour aller à Londres, enfin à Londres, en Angleterre. T'as le Luxembourg à côté, qui est légèrement un des pays les plus riches du monde, hein, tranquillement. Et ensuite, il y a les Pays-Bas, qui est frontalier. T'as l'Allemagne qui est, je sais pas, je pense pas qu'elle, je sais plus si elle est frontalière, hein, je crois pas qu'elle soit frontalière l'Allemagne, mais elle est pas loin, donc c'est facile. T'as la France, évidemment. Et ensuite, comme t'as évidemment comme t'as la Manche, t'as accès à toute la Scandinavie en termes de transport et tout. Enfin, c'est voilà, génial quoi. Notre langue a évolué en fonction de notre histoire. Ouais, ben. Wesh gros, tranquille ou quoi? T'as vu l'histoire de la France, t'as capté ou quoi? Ah l'histoire gros, ah l'histoire elle a grave géchant, t'as capté ou quoi? Ah c'est l'histoire de la drogue gros, t'as capté ou quoi? Moi je prends de la coke tous les matins, c'est bon quoi? Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, la langue elle a grave bien évolué mec. Ah notre histoire elle est waouh! Quelle histoire, ah, quelle histoire, la grande histoire avec un grand H, hein, franchement. Je suis mort, pardon. Plus heureusement qu'ils soient là les Belges pour nous faire rire, ah ouais. Moi, c'est les frites que j'aime bien, tu vois. Nico Dundee, voilà, je suis d'accord, voilà. Tu vois ce que je veux dire, ouais, c'est très drôle. Non, mais bien sûr, la langue, ça évolue avec l'histoire, évidemment. Mais ça évolue surtout avec les tendances, tout ce qui est migration aussi, etc. Etc. Le fait de dire 80 vient de tradition militaire. Oh, très bien. Raconte-moi en plus. 80! On parle pas le vieux français, on parle québécois, un mix entre vieux français et notre nouveau slang américain. Ouais, c'est bizarre un peu. Hein. Alors, hello, je suis débutant, salut Botswana. Ah bah toi, tu viens du Botswana, toi. Toi, c'est celui-là, tu viens du Botswana, là. Est-ce que vous avez vu le film? Il y a un film qui se passe au Botswana, il s'appelle comment? Je sais plus. C'est un truc avec un moment, il y a un lion. C'est pas Alibi.com, c'est Babysitter? Oh, il me semble que c'est ça. Voilà. Très bien. Malheureusement, c'est moi qui fais le spot, donc voilà. Donc tu débutes le jeu, c'est quoi ta question? Je vais la lire maintenant. Dans la branche des dés anglais, je souhaiterais savoir comment les builds, s'il te plaît. Très bien. Je peux te dire comment build des dés anglais, si tu veux, effectivement. Mais juste après la game, parce que du coup, je vais faire celle-là. Là. Alors le Benham, il m'a filé un smoke. Ce qu'on va faire, c'est que... Il recule. Il recule, il est spot et il recule. Je comprends pas le. Oh merde, attends, le Jutland là qui fait le malinois là. Qu'est-ce qui se passe avec ce Jutland là? Alors, on va lui mettre des dégâts à l'AP vite fait. Voilà, 2200, ça me va. Il y a un tonnet! Jamais vu un tonnet en classé par contre. Waouh! Voilà. En fait, ce qui est bien avec les DD anglais, c'est qu'ils ont une fire chance qui est incroyable. Qui est vraiment très très bonne. Et ils ont une hydro, donc quand t'es dans ton smoke, tu risques pas grand chose, quoi. Tu vois tout de loin. Genre là, tu vois, par exemple. Et du coup, bah, au lieu de prendre des torpilles si j'étais en kitakaze, bah là, je suis pas mort, quoi. Par contre, ils ont un problème avec la balistique de leurs obus, qui est un petit peu. Elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise non plus, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que les obus sont vraiment très lents. Hein, mais alors, très très lents. Donc, pour tirer sur les DD, c'est compliqué de très loin. C'est vraiment impossible. Et sur les croiseurs, c'est compliqué aussi. Après, comme dit, l'HE est vraiment incroyable. Ça change quand même pas mal de choses.
Alors, j'aimerais bien prouver ce que je dis et mettre un feu, s'il vous plaît, si possible. Ça, sympathique, quoi. Et vraiment, non, mais les DD anglais sont vraiment très très bons, quoi. C'est vraiment probablement une des meilleures branches du jeu, quoi. À monter, c'est une des branches les vraiment les plus sympas à jouer. Merci pour le feu, parce que je pensais que j'avais plus de fire chance là. Je me suis dit aussi. Tiens, d'ailleurs, en parlant de DD là, lui, il est. Lui, c'est un bon client. Mais par contre, du coup, tu lobes bien les îles, malheureusement. Lui, je pourrais plus le choper maintenant. Voilà. Tu vois, j'ai fait 27 000 de dégâts là. Avec. Enfin, sans mettre mon smoke, quoi. Enfin, j'ai mis un smoke, quoi. Qu'on est bien. Ah, ça y est, je suis spot. Par qui, par quoi? Bon, Missouri s'est suicidé. Bon, Missouri s'est suicidé, c'est pas très sympa ça. Alors le problème, à partir du tier 9, ça s'arrange. Mais le problème, c'est la vitesse de tir en fait sur les DD anglais. Qui est pas très grosse quoi. Genre surcharge en 4 secondes, même si t'as des canons qui sont très très bons, hein, qui sont vraiment très très bons. Merci beaucoup pour le follow, ça fait plaisir. Excuse-moi, j'ai pas vu qu'il y avait follow, mais voilà. Même si les canons sont très très bons, la vitesse de tir, elle est pas, enfin tu tires pas très vite quoi, en fait. Hein. Jusqu'au tier 10 ou au tier 10, t'arrives sur le Daring qui recharge en 2,5 secondes et là ça rigole plus du tout. Par contre 65, non attends, on est à combien? Attends, il faut que ça s'actualise 2 secondes. Combien de hits? 123 hits, on a mis un seul feu par contre, c'est vraiment. Là le jeu se fout de ma gueule en fait. Hein. C'est pas. Alors, on va lui mettre quelques tirs à la paix vite fait pour vous montrer à quel point la paix est efficace. N'hésitez pas à utiliser la paix sur les jambes broadside comme ça là, tu mets des grands 2000 dans la. Tu mets des grandes claques dans les gueules quoi en fait hein, finalement. Ça c'est fait. Maintenant, j'ai juste à aller chercher le Benham et c'est ok. Et c'est ok. Là, je vais pusher comme jamais. Malheureusement, mon Missouri est mort. Donc voilà. T'as une AP de croiseur léger. Ouais, c'est vraiment fort, quoi. Elle est bien, quoi. Elle est vraiment bien. Je suis frontalier belge à 20 km. C'était bien hier. Pas de vagues, vu qu'ils ont perdu. Ouais. Hier, moi, je jouais avec Doubi qui habite à Bruxelles. Et apparemment, il y avait des problèmes à Bruxelles. Quoi, il y avait des espèces de. Des mouvements de. Ah, mais il est encore en train de reculer lui? Mais il recule en permanence, c'est pas possible. Alors, c'est des gros gunboats, mais tu peux aussi les jouer un peu au torp. Hein. Les torps sont vraiment très très efficaces sur les DD anglais. Hein. Mais donc, en général, tu builds dans des gunboats, hein, les anglais. C'est le mieux. Hein. Bah, alors lui. Bah alors lui. Par contre, ils ont pas un super. Ils ont pas de super. Comment ça s'appelle Ah enfin! Ils ont pas des super angles de torp en fait. Donc les torps, c'est. Pour les utiliser, faut vraiment, vraiment être prêt à les utiliser quoi. Genre. Par contre, ils ont une super accélération, donc voilà. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment le mettre en capacité de survie, et il faut qu'il ait le plus de temps d'utilisation de smoke et d'hydro possible en fait. Parce que plus tu vas survivre, plus tu vas défoncer les DD, plus tu vas défoncer les DD, plus tu pourras te rapprocher des cuirassés, et plus tu vas te rapprocher des cuirassés, plus tu en feras de dégâts parce que tes torpes sont assez courtes. Au tier 10, elles sont à 10 km, tu vois, donc c'est pas voilà. Mais voilà, comme dit, c'est vraiment une branche qui est très très simple à comprendre. Ce qui est pas simple, c'est comprendre que tu peux être agressif avec ce genre de dés parce que t'as une hydro et des smokes très rapides qui rechargent super vite. T'as des très bons canons aussi. Donc ça, c'est un peu, il faut réussir à le prendre en main, tu vois. Et au début, c'est un peu, c'est peut-être un peu complexe, quoi. Genre moi au début j'avais du mal, je jouais un peu trop safe et donc je faisais pas trop de dégâts dans mes games. Puis j'ai bien compris que je pouvais être vraiment en première ligne avec mes DD anglais quoi. Une fois que j'ai compris ça, il y a beaucoup de choses qui se sont arrangées. Il y a aussi le fait que tu puisses tirer tes torpilles une par une.
Alors, hésite pas à le faire quand il y a quelqu'un de face, vraiment, qui est en train de reculer ou en train d'avancer. Mais par contre, enfin, je te déconseille de le faire tout le temps. Parce que, en fait, c'est très différent de tirer des torpilles, une par une que de tirer des torpilles en salve. Là, quand le mec est broadside comme ça, il vaut mieux les tirer en salve. Ouais. Voilà quoi. Salut Krusty, comment tu vas, mon petit Krusty Baz? Oh la vache. Oh la vache. Ah oui, ce qui est bien, c'est que t'es super maniable aussi. Donc c'est vraiment genre tu t'accélères super vite, tu ralentis très lentement, mais comme t'accélères super vite, voilà, c'est voilà. Et en plus de ça, vraiment, vraiment, tu what? Le banane de faire de l'huile d'olive, quoi? Le banane de faire de l'huile d'olive. Le banane de faire de l'huile d'olive vu le peu d'HP qui lui reste. C'est très drôle. J'avais pas vu qu'il y avait un français dans le truc. Et je vais te montrer du coup les AP, ce qu'elles font. Genre, regarde, regarde. Hein. Tu vois, ça c'est un Alsace, regarde. Juste, regarde la salve. Voilà. Je pourrais en mettre qu'une parce que voilà. J'ai mis 2300. Imagine que tu mets du 2300 toutes tes 4,5 secondes en tier 8. Et imagine qu'en tier 10, c'est toutes tes 2,5 secondes, tu vois. Vraiment, c'est absolument fumé. La DCA et USA, horrible. DD, le seul que je galère à 100% pour ta vie est mieux. Quoi? Et j'ai pas compris, Pétru. J'ai pas bien compris. Désolé. Désolé, bro. Ah, il est là-bas, le Benham. Ah oui, c'est vrai que ce truc, il a une hydro, là. Hein. Complètement fumé, ce machin. Alors, tu vois, il y a ça aussi, qui est vraiment super bien. Waouh! Ce que ça met dans le truc. Bon, j'ai loupé mes torpes, hein, mais comme d'hab. Ça bouge pas, ça. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Bon. Là, tu vois, c'est le moment où moi j'ai fait de la merde. C'est que je me suis coincé contre une île, en fait, bêtement. Et après, en vrai, le tonnet, c'est dur à toucher en torpe. Donc voilà. On peut aller regarder le build, comme ça tu pourras. Pour voir. Il y a eu 3 bouteilles de jetée. Il y a eu 3 bouteilles de jetée, énorme problème. Elle me dit, non mais à Bruxelles, tu sais, c'est... D'habitude, il se passe rien là-bas, tu vois. Alors du coup, attends, j'avais pas lu. Et pour info, en Suisse romande, on n'a pas un super français, alors qu'en France, les indigènes maîtrisent mieux la langue. Oh là là, les indigènes. Oh, oh là 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 là. Quel gros singe qui vient nous parler, là. C'est pas possible, ça. Alors, on va regarder le build. Alors, en build, en équipement, normalement, en tier 9, t'as un seul équipement de plus. Moi, sur le dernier slot, je te conseillerais de mettre en vrai, je te conseille pas de mettre la range, les torpilles ou le reload, ok? Parce que tes tourelles tournent quand même assez vite, voilà. Par contre, comme t'as une cloche qui est énorme et que tu t'as vraiment du mal à toucher des cibles de loin, comme tu touches vraiment rien du tout... vraiment mettre la range en plus moyen. Moi je trouve ça moyen. À part si t'as un aim de malade, voilà, je trouve ça moyen, ok. Ah bon, ça c'est mon truc de lightning, mais ça vaut pour les trois qui suivent. Voilà. Donc évidemment t'as la dissimu, évidemment tu peux pas mettre autre chose que ça, donc tu mets ça. Là je te conseille vraiment de mettre le aiming system parce qu'ils ont des dispersions vraiment bizarres. Donc sur les DD tu tabasses vraiment. Tabasse avec le système de modification de visée parce que sinon tu loupes quand même beaucoup beaucoup de tirs, en fait c'est chiant et ça c'est les trucs classiques. Et ensuite avec ou sans chaise, le reload. Ouais, ben en gros moi je mettrais vraiment pas la portée. Après c'est en fonction de comment tu joues, tu peux choisir entre les torpes et bah le reload il est inutile, donc soit tu choisis entre les torpes. Le reload, pour moi, vraiment, c'est vraiment si tu veux augmenter ton DPM. Donc, tu mets reload, chance of fire, tu vois. Et là, tu augmentes ton DPM de fou. Mais du coup, tes torpilles, tu les utilises quasiment jamais. Et sinon, tu mets les torpes, hein, clairement, je pense que c'est le truc à mettre. Après, tu peux aussi booster ton AA si jamais t'as du mal avec les porte-avions. Pour ce qui est du build, je crois que comme mon commandant... Ouais, mon commandant est pas en réentraîné, donc je peux pas te montrer mon build. Mais en gros, t'as le truc classique pour les DD, les deux trucs ici. Ensuite, t'as évidemment expert de survie. Surintendance, évidemment, il faut que personne te voie. Tu peux choisir de mettre l'RPF, mais bon, c'est... voilà. Là, tu mets évidemment les chances de feu et la rotation de tourelle, parce que t'as vraiment... En fait, tes HE, elles percent vraiment plutôt bien.
Voilà. Je déconne, oui, t'as raison. Ah, mais je sais pas. Hein. C'est pas, on peut avoir des avis différents, mais pas de problème. Tu mets ces deux trucs là, et là en fait ton build il est bien. Après, tu peux choisir de mettre un petit peu sur les torpes. Voilà. Ou alors de le build complètement en chasse de DD, du coup tu mets le RPF. Ça c'est possible aussi. Ah bah parfait, du coup maintenant j'ai mon build, nickel, je peux te le montrer. Donc d'ailleurs en parlant de build, on va faire ça. Voilà. Moi c'est ce que je mettrais. J'ai pas terminé complètement, mais sinon t'as la FAP pour regarder pour le build. Hein. Joue en cuirassé américaine. Joue un cuirassé américaine. Mais toi aussi t'as un accent quand tu parles à des cris, c'est drôle. Alors attendez. Oh attendez, j'ai Yamamoto. Attendez, je suis en train de débloquer Yamamoto, excusez-moi. Vite fait, si ça vous dérange pas. Et voilà. Et voilà. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. J'ai Yamamoto bien. Ça c'est pas mal ça. Ça j'aime bien. J'ai envie d'en refaire une avec le Lightning. Parce que c'est juste un bon bateau le truc en fait. Où est-ce qu'on en est en termes de camo là? Ouais. Prendre ça là. Pas mal. Voilà. Tu veux que je joue un cuirassé américain? Alors joue avec un X, bon. Bon. Voilà. Je vais rien dire, mais voilà. Attendez, il faut juste que je mette mes campagnes à jour là. Ouais, ça dégage ça. Hein. Ouais, cancel, cancel, merci. Il est où? Non, ça c'est quoi? Attends, ça c'est quoi? Ouais, c'est elle, c'est ok, c'est bon. C'est ça que je voulais faire moi. 150 000 de dégâts dans une bataille. C'est faisable. Attendez, vous savez quoi? Je vais prendre celle-là. Et celle-là, elle a l'air de. Ouais, non, ça c'est long à faire par contre. Et ça c'est chiant à faire, mais bon. Et ça c'est quoi? Détruire deux ennemis, deux DD ennemis. D'accord. Ça, il y a beaucoup de trucs à faire, mais bon, en vrai, ça se fait. Voilà. Tu veux que je joue en cuirassé américain? On va faire une game en Norskal alors. Go. I love the citadelle flottante. Moi aussi, je push pour Yamamoto, mais je bloque sur certaines missions. Ouais, mais là, je suis content, je les ai enfin terminées. J'ai quasiment terminé toutes les campagnes là, donc je suis content. Il me reste Alcée et le Shinonome. Toutes les autres campagnes, je les ai faites. Ça, c'est cool. Tu vois, déjà, au moins, c'est un truc de fait, tu vois. Et voilà quoi. Le tenez de flanc vaut un Mogami. Celui-là en croiseur 3 quarts, si t'as, c'est sûr. Ouais. En fait, le tenez, ce qui est encore mieux que le Mogami, c'est qu'il est énorme dans ses fesses là. Tu vois. Et donc à l'HE en DD, même avec tout, hein, avec tout. Hein, tu tires là-dedans, tu perces, tu fais obligatoirement des pénétrations. Parce que c'est vraiment, je sais plus combien de millimètres c'est, mais c'est très petit. C'est pas beaucoup en fait. Donc en fait, tu le défonces, tu le défonces à l'HE quoi. Mais genre vraiment, vraiment, tu mets le maximum de dégâts dedans. Donc c'est vraiment bien. Mon premier capitaine HL Yamamoto. Ouais, mais moi j'en ai pas du tout, donc voilà, ce sera mon premier aussi. Puis j'aurai Alcée après, c'est pas mal. Mais Yamamoto, j'hésite. Je pense que le mettre sur les DD c'est pas très intéressant. Et j'hésite du coup à le mettre sur mon Yamato ou sur mon Zao, tu vois, quand je l'aurai. Enfin, il y a mon Yoshino slash Zao, etc. Yoshino, Zao, Croiseur quoi. Moi j'ai tout. Et les deux premières foules. Les deux premières quoi? Quoi il parle? De quoi il parle ce grand fou là? Merci Gizmo au fait pour le follow, pardon, excuse-moi, j'étais. D'accord. Pardon. Pardon, bro. Ah, on va pas avoir de. Kitadaos idiotique, d'accord. Bon, écoute, on a le freeze, merci freeze. Merci freeze Corleone. Merci freeze. Aïe. Bon, bref, et moi il va falloir que j'arrête de stream à un moment donné, quoi, dans ma vie. Il est 16h, oh là là, il est 16h04 déjà quoi. Quel gros con. Merci Freeze. Ah, j'ai vraiment écrit merci, je suis mort. You are welcome. MDR. Oh là là. Freezeland, on peut lui mettre un plus un s'il veut bien. Voilà. Parce qu'il est sympa, écoute, et qu'il a fait il a fait la bonne chose. N'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre des plus 1 aux gens que vous trouvez bons dans vos parties voilà, qui font des bons trucs, tu vois. La game que j'ai fait en Lightning tout à l'heure, là, les DD, je les ai contest, je les ai contest quasiment sans être spot, en fait. Et donc j'ai réussi à contest la cape pendant
toute la game en fait sur la game. Personne m'a complimenté quoi. Tu vois. Tout le monde râle parce que vous avez des mauvais DD dans des games, puis quand vous avez des bons DD qui font 95 000 de dégâts, y a personne. Tout le monde s'en fout quoi. J'ai cap et tout, j'ai contest, j'ai tué deux DD, enfin quasiment tué deux DD. Pas tout seul évidemment, j'avais l'aide de mon équipe, mais j'ai bien joué, j'ai eu zéro compliment. Alors je demande pas à être complimenté, mais tu vois, mais tout le monde râle en permanence, en classé. Et personne complimente personne quand il y a des bons joueurs. Et je trouve que c'est dommage, je pense que on devrait tous le faire beaucoup plus souvent. Vous voyez quelqu'un qui prend une bonne décision, faut lui dire merci, faut lui dire... Ouais, c'est bien aussi de... Il faut pas non plus parler que du mauvais, quoi. C'est-à-dire, ok, je note. C'est une question de gentillesse, de politesse, enfin voilà quoi. Le jeu serait juste plus agréable à jouer pour tout le monde. Bon alors, moi j'aime beaucoup le North Carolina. Le problème du North Carolina, c'est qu'il est fragile, donc... Pas faire n'importe quoi avec. Pas pouvoir tanker pendant des heures et des heures avec, ça c'est sûr. Le problème c'est que... Il a des obus très en cloche, donc tu peux ricocher aussi très facilement. Et par contre, de face, tu peux mettre des gros 15 000. Voilà, tu vois, là, j'ai mis 4 ricochets, tu vois. Ça, c'est le souci. Sur le Richelieu, ce sont des bateaux qui sont très, très... Enfin, qui ont un angle vraiment super bon. Tu ricoches vraiment, vraiment régulièrement, quoi. Ça, hein, les compliments ou les trucs négatifs. Perso, je m'en tambourine, les testiboules. Incroyable. Qui parle comme ça, en vrai? Incroyable. Le rune broadside, là. Ouais, allez, on va te laisser tranquille. Allez, je te mets 10 000 un petit peu, là. Ouais, super. De surpeine. Mais il rigole pas, en fait, le rune, là-bas, là. C'est quoi, je suis pas spot avec ton rune, là. Donc, tu vas arrêter de me tirer dessus, maintenant, et... Et on est quitte, d'accord? En tout cas, j'ai heal quasiment, enfin, j'ai heal l'intégralité de ce qu'il m'a enlevé comme dégâts, donc... Je commence à être un peu plus proche de lui, là. Il est à la cheville, lui. J'arrive pas à choper un endroit où je peux lui mettre des dégâts, là. Oh là là, j'ai mis 5 ricochets sur ça. Elle était bien, la salve, pourtant, c'est dommage, hein. Ça sent le saumon grillé au barbecue. Oh, ça va, avec une choucroute. Tout de suite. Non, tout va bien. Non, regarde, tout va bien. Il est pas... J'ai pas un DD juste là. Ah si, pas d'accord. Dans son smoke, évidemment. Bon, je vais me faire une spot, moi, et je vais tourner pour choper un. Ah ouais, non, mais là, on a fait que des ricochets sur le Richelieu, quand même, hein. Je tire dans les superstructures et... Waouh. On est là-dessus, quoi. On est vraiment là-dessus. On va tourner, on va essayer de choper un angle un peu mieux, parce que là... Là, ce qui se passe, c'est terrible. En fait, on a la cape, donc... Oh non, me dis pas qu'il me met un feu là-dessus. J'aurais eu le seum, hein, quand même. Comment tu vas, Bob? Ça va bien. Souvent ça. Surtout les porte-avions direct du jugé d'entrée. Ouais, mais tu joues porte-avions, tu perds moins 10 de karma, hein. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Après voilà, les gens ils aiment pas la classe, qu'est-ce que tu veux faire, hein. Tu peux pas t'empêcher de jouer une certaine classe parce que tu vas perdre du karma non plus, tu vois, c'est pas viable de faire ça, quoi. Alors lui, il en fout le marche arrière, là, il s'en fout de la vie, quoi. Rien à foutre de la vie, quoi. Dis-moi que je mets au moins 10 000, là, parce que c'est plus possible. Ouais, d'accord, 8 000, allez, si tu veux. 4 obus qui percent, enfin, 2 sur peine, 2 peines, 8 500. On est d'accord, hein, on est d'accord. Ça est quoi, du coup? Le rune, là. Le rune qui fait le malin depuis le début. On va voir s'il fait le malin encore, là. Je crois que je l'ai loupé, j'ai tiré trop derrière. Genre, j'ai tiré beaucoup trop là, en fait. J'aurais dû tirer beaucoup plus devant. Ouais. Pas terrible, hein. Vraiment pas terrible, hein, cette game pour l'instant. On a fait 20 000 de dégâts. Bon, là, c'est le moment où on est en train d'être tricap, donc. Bah, what the fuck? On est en train d'être tricap, y'a personne qui est mort. Ah, ouais, en termes d'agressivité, ils sont au fond de map, quoi. Sur une échelle de 1 à 20, ils sont à peu près à fond de map, quoi. À peu près, quoi.
Alors ça par contre, dis-moi que je vais te mettre des dégâts, parce que quand même, full broad là, voilà quoi. Merci Pélissaros pour le follow, ça fait plaisir. Installe-toi, bienvenue sur la Wooze. J'ai rien mis encore. Y'a un Yugumo là, mais... What the fuck? Y'a un Yugumo là. Là, toi là, t'es en train de me dire... Là, toi. Toi là, t'es en train de me dire que t'es ici quoi. C'est ce que t'es en train de me dire. Et je peux plus lui tirer dessus. Là-bas, ils vont cap C. En fait, ils vont cap notre C. Le Gomo est mort. Attends, mais mon... Merci. J'ai cru que le Dunsky, il n'arrivait pas à tuer. Jésus, une peur bleue. Non, je parle pas de RN Jésus. Hein. Calmez-vous. Ouais, le rune, il tourne encore. J'arriverai pas à choper le rune, hein. J'arriverai pas. Peut-être que je pourrais choper le Pommern. Attendez, on va regarder ce qu'on peut faire. On va regarder ce qu'on peut faire. Perdu quand même beaucoup de vie par rapport à ce que moi j'ai fait comme dégâts. Alors ce qui est vraiment bien avec les cuirassés américains, c'est que tu lobes les îles comme jamais. Donc t'es jamais spot quand tu tires. En plus, tu peux tirer de loin. Et tu lâches des gros... 11 000 sur ça, c'est tout! C'est incroyable, mais j'ai l'impression de jouer un croiseur, là. C'est fou. Bon, c'est un peu merde, après, c'est bien blindé, mais... Mais Osef, quoi. 11 000 sur ça, c'est pas beaucoup, quoi. Oh non, j'ai perdu mon... J'ai perdu ma back-tourette, là. Oh, je perds ma back-tourette, là-dessus, c'est... Oh, ça y est, je me fais focus par un mec de l'autre côté de la map. Super. Ok, là j'ai réussi à mettre quand même 9000, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Attends, les ranquettes c'est pire qu'en FFA. Ça suce le bord de map comme un alcoolique. Ouais, 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 mais. D'ailleurs, je suis en ranquette au cas où, mais. Mais oui. Oui, oui. C'est improbable ça. Je vais rien réussir à lui mettre comme dégâts à lui. Je me fais vraiment focus par un mec en fond de map, c'est un freeze en plus. J'ai fait 2600 de dégâts avec deux peines. Les gars, je joue croiseur en fait, excusez-moi, mais... On m'avait pas prévenu, on m'avait juste pas dit en fait. Allez, deux secondes, faut juste pas que je reprenne de feu et je suis plus spot. Voilà. C'est ok. On est bon. Bon, très bien, on est en train de perdre, hein. Vous savez qu'on est en train de tricap et on va perdre là. Ah, quoique on a le rune qui est mort, c'est déjà pas mal ça. Je spot là. Est-ce que je vais me faire farm encore une fois par le Friesland, hein, encore? Main smoke. Bien sûr, bien sûr. Des tiers 9, le gameplay devient planqué avec les îles. Ah bah après, si ton gameplay c'est d'être planqué derrière les îles, c'est normal, hein. Genre tu vas pas commencer à jouer Buffalo. Mais je suis spot par des avions maintenant, faut arrêter, hein. Je vais prendre un feu. Il va me mettre un feu sur ça. Il y a un Riga, maintenant je suis spot par le Riga. Oh là là. Il y a pas grand chose qui va dans cette game là. Hein. On tricap, on perd. J'ai pas réussi à mettre un seul tir concluant. On a mis des 11 000, mais bon. Est-ce que 11 000 c'est vraiment concluant? Non, on peut pas dire ça. Hein. Toc toc toc. Les officiers de la marine française. Oh putain. Attends, mais d'où? Le Georgien là. Voilà. Très bien. Très bien ça. 11 000. Ouais. Pas grand chose, hein, toujours. Normalement, je suis plus spot là. On a dit normalement, je suis plus spot. Ok, d'accord. Et il a tiré juste avant, je vais prendre ma maman. Vous savez quoi, je vais tirer sur le Riga et rame le Georgien, hein, parce que je peux faire que ça quasiment. Attendez. Là, le Riga, c'est ça peut être marrant, tu vois. Ça peut très vite être marrant. Ça va très vite être moins marrant quand je vais... Ouais, ça c'était marrant. Ça c'était quand même vraiment marrant. Ok, on va faire un truc moins marrant là, c'est qu'on va se taper le Georgia malheureusement. Oh là 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 là, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein.
Alors, c'est 14 km les engagements, je déteste les îles. Plus un spartiate. Je suis plus un spartiate. What the fuck? D'accord. Il a tiré avec sa bague tourette, non? Quatre ricochets? D'accord. Je savais pas que ça c'était long, mais ok. D'accord. Je lui knock une tourelle. Tant mieux. Normalement, je peux tourner avant, non? Là, il me met pas de sitar. Normalement, il peut pas me mettre dedans. C'est bon. Là, on est ok. Là, on est ok, papa. Là, on a gagné. Bon, bah, d'accord. J'aurais même pas eu le temps de. J'aurais même pas eu le temps, quoi. Croiseur italien, je vais te rendre tes points de chaîne parce que j'en ai pas. De croiseur italien. Voilà, j'en ai pas dans mon port. Et j'ai pas l'argent pour en acheter, donc voilà. Merci, merci de Lyon pour le follow, ça fait plaisir. Écoute, installe-toi sur la vous FR. Prends un petit peu de verre de jus d'orange. Voilà. Comme tout le monde. Évidemment, prends ton verre, voilà, avec tes glaçons et kiffe ta vie, hein, kiffe ta vie. En fait, ce qui est intéressant là, c'est que. Ah oui, il faut que j'arrête de jouer à un moment aussi, moi. On est à combien de parties là? Ça commence à faire. Ah oui, il est 16h16. Ah oui, quand même. Parce que moi, je le stream sur ma chaîne aussi là. Tu sais. Sur une game de ranked, 4 bébés sur 7 joueurs. Pourquoi j'ai pris un CA? Oh là là. Mais en vrai, tu vas te faire plaisir, mec. Franchement, ça va. 150 000 crédits, ça me va. Ça me va. On est bientôt à 12 millions. Ouais, voilà. Des moines n'est pas loin. Pas loin. Pas loin, pas loin. Allez, on en fait une dernière en Buffalo. Voilà. Et je te rends tes points de chaîne parce que j'ai pas de. Je l'ai pas encore le Venezia. Donc je peux pas encore le jouer. Et voilà. On en fait une dernière en Buffalo. Non, ça c'est dans les prédictions. Demande de bateau, c'était de. Bismarck build secondaire. C'est qui a fait ça là? Moi j'ai mis un S, je sais pas. Il y a un CV, je lance une game de grande. Ah, il y a un CV? Ah ouais, ça c'est un peu chiant ça. Demande de bateau, Vermont. Je la vois pas ta demande de bateau, c'est bizarre ça. Pas 30 tes points, je suis désolé. Excusera. 313TH, tiens, 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 ce serait pas le deuxième clan de la 313F. Ah, le clan d'un joueur en face s'appelle 313TH, d'accord. J'ai commencé les cuirassés italiens, ils m'ont l'air précis. Moi j'ai ni les cuirassés ni les croiseurs. J'ai les cuirassés en lotière, mais je les jouerai pas parce que pour une raison évidente, c'est de la merde en fait. Les cuirassés sont pas ouf, hein. Les italiens ils sont. Ils sont très très précis, très très précis. Alors quand tu tires, ça tire vraiment. Bah alors t'as un obus qui tire, voilà, qui passe sur océan, sur une autre map, tu vois. Puis t'as un autre obus qui passe sur terre de feu, tu vois. Voilà, encore une autre map. Il y a un obus qui va les deux frères, tu vois. Vachement précis comme bateau. Par contre, t'as zéro obus qui touche la cible. Hein. En vrai, je pense que avec les cuirassés italiens, il y a moyen que si tu tires ici, tu vois. Tu touches un mec qui est broadside en fond de map là-bas. C'est possible. Franchement, c'est possible. J'ai mis un S. T'as mis un S à quoi? Mais de quoi il parle? Pas vraiment bon, l'Isita. Ouais, le blindage est bon, vraiment. Le blindage est bon, mais voilà, quoi. Je kiffe le tier 6 et le 8. Les joueurs visiblement. Eh? Pourquoi? Est-ce que tu kiffes spécialement le tier 6 et le tier 8? Pampalawan qui demande le Discord. Pourquoi? Pourquoi tu veux le Discord en fait? Qu'est-ce que tu veux en fait avec ce Discord? Vous avez une relation spéciale avec ce Discord? Pardon. 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 Vous savez que Nene est pas là ce soir, hein? Parce qu'il y a le match. Bon, il n'y a plus la France, donc ça sert à quelque chose. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qui est. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de regarder les matchs? Il n'y a plus la France vraiment. Alors là, on va faire comme d'hab, c'est-à-dire qu'on va attendre qu'un DD qui se sente chaud. Ah non, il n'y a pas d'autres DD, donc on est au calme. Voilà quoi. Non, en fait, le blindage est bon. Il est bon. Le blindage sur les Italiens, sur les cuirassés italiens, il est bon. Ok. Le problème, c'est vraiment ton DPM qui est vraiment nul à chier, en fait. Même à la SAP, hein. Quand tu regardes le Venedia à côté, c'est incroyable. Et voilà quoi. C'est quoi le Discord? C'est le Discord de la WZFR.
Attendez, on va juste faire un truc vite fait. Parce que lui, il veut prendre du jus d'orange, j'ai l'impression. On va lui en proposer en briques. Malheureusement, je crois que... Ouh là là, j'ai eu peur que le Buffalo puisse rentrer, hein. Parce que si lui pouvait rentrer, là, il mettait des grosses citadelles, hein. À cette distance, c'était citadelle assurée, quasiment. Ah ouais. Ok, bon, là, maintenant, je suis plutôt bien. Le problème, ça va être l'Édimbourg. Je voulais mettre ça pour voir l'Édimbourg, justement, si ça vous dérange pas trop. Ah, par contre, je vois rien, donc... Bon, le Bismarck, je veux le voir, hein. Je veux savoir où ils sont, là, parce que ça me... Ça me tend. Ça me tend. Je suis tout tendu, là. Je suis tendu. Voilà. C'est quoi le Discord? Non, d'accord. J'ai déjà lu ça. C'est bien de relire les trucs, là. Quel bon streamer, là. Incroyable, hein. Spot Hydro. Ça va, c'est en Bismarck. C'est bon. Attends, mais il y a le Pomerne qui est encore plus proche, quoi. Je suis un peu dans la merde, là. Attendez, l'Edimbourg qui sort, là. Oula, Pomande qui fait n'importe quoi. Bon, il m'a quasiment pas enlevé d'HP, tant mieux. On va essayer de lui mettre des gros 7000 dans la gueule. Voilà, comme ça. C'est tout. 4 non peine. J'étais pas venu pour ça, moi, à la base, hein. Alors lui, il se fout de ma... Non, j'ai tiré trop derrière. J'ai tiré beaucoup trop derrière. Alors lui, il se fout vraiment de ma gueule, quoi, hein. Par contre, hein. Vraiment, hein. No joke, hein. Alors lui, il sort comme ça, lui, c'est incroyable, hein. Vas-y, bouge pas, mec. Ah, j'ai full sur peine, j'ai tiré trop devant. Pourtant, pourtant, hein. Oh non. D'accord, là j'ai tiré trop derrière, c'est fou en fait, hein. Faudrait que j'apprenne à viser un moment, quoi. Ah, il est pas mort, d'accord, ok, très bien, j'accepte. Je suis mort. Bon bah voilà, super, GG quoi. Oh là 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 là. L'Edimbourg, il est quand même broad, enfin, c'est la gueule du niveau du mec que je suis, hein, ça vraiment. L'Edimbourg, il est broadside à moi, j'ai 3 salves dessus, j'ai mis une cita. Une cita. J'ai tiré trop devant, trop derrière. 3 fois. 3 fois quand même. Hein. 3 putains de fois quoi. Hein. Ça c'est la gueule du niveau du gars quoi, hein, genre. Pff, oh là 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 là. Pff, oh là là. Franchement le niveau aujourd'hui il est plus que exécrable, genre il est vraiment dégueulasse, hein, genre. Ranked T7, mais pourquoi Wargaming a eu cette idée? C'était pas une très bonne idée, effectivement. Merci pour le follow. Fanouk, tu suis vraiment sur ça, là? C'est chaud, hein, tu vois, c'est chaud, hein, vraiment, hein, c'est chaud. Bon! C'est 2h35 que je stream. Voilà. Je suis pas censé continuer, normalement, plus que ça. Donc, je vais vous laisser de là, à peu près. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah je suis désolé pour les games, c'était vraiment dégueulasse. Vraiment dégueulasse quoi. Il est arrivé 2 heures en retard et il récupère son temps raté. Ouais, c'est ça, ouais. Je fais des heures stup... En fait de base je suis censé stream à midi, sauf que je dormais à midi, tu vois. Parce que je suis un gros débile, donc bon, voilà. Et voilà quoi. Barba 34. Yes. Feignasse, je vous emmerde. Grosse vache, je vous emmerde tous. Mais non, mais je me suis couché tard, c'est à cause de Warship, là. J'ai joué hier soir. Et voilà. Bon, bah du coup, voilà, je vous laisse. Je vais raid, on va raid quelqu'un, ça vous intéresse de raid quelqu'un? Moi, je vous... Allez, vous savez quoi, on va raid Miss Black. Merci à moi, non, pas merci à moi du tout, merci à vous d'avoir été là, hein, comme d'habitude, c'est très agréable. Je vous aime, la bise. Moi je vais stream un peu sur ma chaîne vite fait là. Pour les Chico et les Henri qui s'intéresseraient, voilà.
Et pour les autres, je vais vous raid chez Miss Black. Slash raid. Miss Black Angel. Et oui, j'ai fait de la merde. Slash raid. Slash raid. Miss Black Angel 23. Miss Black Angel 23. Voilà. Vraiment, c'est bon. Voilà. Salut Buba. 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 Salut. Là là, voilà. Bon bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Voilà, vous êtes des amours. On se retrouve samedi prochain. Normalement. Sauf si je fais un truc, je sais plus ce que je fais samedi prochain. Non, je crois que c'est bon, c'est samedi prochain. On se retrouve samedi pro. Sinon, moi je stream lundi, donc à lundi. Salut tout le monde et passez une agréable fin de journée avec Miss Black. La grosse bise des poutous, voilà. Sauf s'il dort. Oh là là, salut.